En tout cas, bienvenue chez nous, les malades de Yeshua de Nazareth. Oh, mes amis, on est là pour lui. Hein. On est là pour se fortifier, s'encourager. On a besoin de ça. De sa présence. De se retrouver autour de sa parole. La louange, l'adoration. Ça fait du bien. Amen. Qui a senti sa présence? Ça fait du bien. Waouh. Ah, Seigneur. On n'a pas de message préparé depuis hier. Bon, on va dire ça. On va répéter quelque chose. Non. En fait, on vient et le Seigneur donne la nourriture qu'il faut pour le jour, ce jour-là. Vous voyez? À chaque jour suffit sa peine. Chaque jour, le Seigneur donne une nourriture, une parole. Et c'est ce que j'aime avec le Seigneur. Vous voyez? Et je vous rappelle quand j'ai rencontré le Seigneur il y a 12 ans déjà. Hein, 12 ans. C'était puissant. Ah, c'était puissant. De là où il m'a sorti, mes amis, jusqu'à aujourd'hui, j'arrive pas. En fait, j'y pense tout le temps. Tu vois? Et si on ne sait pas d'où le Seigneur nous a pris, si on oublie d'où il nous a pris, tu vas faire n'importe quoi. Parce que quand tu te rappelles, quand je me rappelle d'où il m'a pris, même toi, hein, parce que je crois que les vrais enfants du Seigneur vivent ces choses. Parce que le monde nous tente. Nous sommes dans un monde où il y a la tentation matin, midi, soir, seconde par seconde. Nous sommes tentés. On est tous tentés ici. Hein. Celui qui dit qu'il n'est pas tenté, mon ami, t'es pas un humain. Donc en gros, t'es Yeshua en fait, t'es Jésus. Parce que en tant qu'homme, Jésus a été lui-même tenté. Vrai ou faux? Mais c'est terrible. Comment il a fait? Parce qu'on dit qu'il a été tenté, le diable lui a dit transforme ses pierres en pain. Mais il n'y a pas eu que ça. C'est maintenant que je vois ça aussi, pendant que je parle là. Il n'y a pas eu que ça. Nous, on pense qu'il y a eu seulement ça. Il a dit non. Frère, pendant 33 ans, ça se peut que les femmes l'ont dragué aussi. Jésus, t'es mignon, Jésus, j'ai beau, oh, Jésus. Je me dis, maintenant, je vois ça maintenant, mes amis là. Si t'es le fils d'Elohim, saute en bas. Nous, on a lu ça. Mais il n'y a pas eu que ça. On a essayé peut-être de lui dire « Maman, Dieu, ment !» Il n'a pas menti. Pourquoi? Parce qu'il pensait à toi. Parce qu'il pensait à moi. Qui devait naître 2000 ans après, mes amis. Des siècles après. Donc, en fait, avant de pécher, tu vois, enfin, il a eu de, en fait, il a réfléchi. Parce que la chair est faible. Donc, il a pensé aux conséquences. Parce qu'il y a des conséquences. Vous imaginez Yeshua qui pêche, mes amis? On serait mort. On serait aujourd'hui sous la domination de qui? Du diable. Il aurait pris le ciel tout. Oh là 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 là. On ne réalise pas. Hein? On dit Jésus est mort sur la croix, tout ça. Mais mes amis, il a mis en jeu son trône. Hein? Vous voulez me dire maintenant, il a mis son trône en jeu. Il a pris son corps humain. Est-ce qu'on réalise ça, mes frères et sœurs? Hein? Il a pris ce corps qui dit, ce corps de péché là, qui aime convoiter, qui aime mentir, qui aime la guerre, qui aime dire des insultes, vrai ou faux? Donc en fait, il a pris un risque terrible pour venir nous chercher dans les griffes, entre les griffes des démons. Donc ce n'est pas un jeu. Prier le Seigneur, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un fun. Oh, je vais à l'église le dimanche. Quand je vois des chrétiens aujourd'hui dans les églises le dimanche, quand je passe des fois, je vois qu'ils sortent de. Et en fait, et la vie continue. On revient dimanche prochain. Et dans la semaine, on fait tout ce qu'on veut. Voilà aujourd'hui le monde.
Parce que ben, il n'y a pas la révélation du Seigneur. On pense que le Seigneur se trouve dans un bâtiment. Qui s'est rendu compte, c'est pas tout le temps qu'on fait des programmes comme ça. Qui s'est rendu compte de ça? C'est une fois tout. Il y a en 2019, le Seigneur m'a demandé de faire pendant tous les samedis. Vous savez, qui se rappelle de ça? Tous les samedis, programme. Il m'a visité dans ma chambre en 2031, 1er janvier 2019. Parce qu'en 2018, il m'a demandé de faire des émissions. Qui se rappelle de ça? On a fait que des émissions. Partage, 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 partage. Et le 31 au soir, j'ai dit, Seigneur, je suis fatigué de ça, quoi. En fait, je veux vivre autre chose, Seigneur. Oui, des émissions partagées, oui, mais je veux expérimenter quelque chose d'autre. J'ai posé la question comme ça au Seigneur le 31 au soir. Il m'a répondu le 1er au matin, je me réveille dans ma chambre. Il me bloque dans ma chambre, les frères et sœurs. Il me parle. Je faisais les 100 pas dans ma chambre, je tournais en rond, je tournais. Il me dit, commence des programmes de réveil à Sergi, tout ça. Je descendrai, ma gloire va descendre, tout ça. Il me parle, il parle, je tourne en rond. Je deviens fou, je dis, mais Seigneur, mais non, c'est compliqué. J'appelle un ancien pour qu'il vienne faire ça parce que je voulais me dégager de ça. L'ancien me dit, non, non, il ne peut pas. J'ai pris mon courage à deux mains, il fallait que je commence ça, mes amis. Et il m'a dit, ma gloire va descendre. Frère, on a commencé ça en janvier 2019. Les baptêmes, les conversions, des guérisons, des jeunes touchés, mariés aujourd'hui, je vous dis, c'est terrible. Qui se rappelle de ça? Qui a vu ces choses? Qui était là? Mais, ouais. Ah, tout le monde n'était pas là. Ah, t'étais là. Parce que le Seigneur, c'est de gloire en gloire. Vous voyez? En fait, tu ne veux pas t'ennuyer avec le Seigneur. En fait, moi, je ne m'ennuie pas. Moi, je ne m'ennuie même pas une seconde, mes amis. C'est pour ça que quand il me dit, fais un programme, on fait. On a failli annuler. Quelqu'un a téléphoné ce matin. Est-ce qu'il y a le programme? Qui a appelé? C'est toi. On a failli annuler, mes amis. Il y a un truc compliqué, on a failli annuler. C'est chaud. Mais le Seigneur n'a pas permis. Parce qu'il y a des âmes qui doivent prendre leur baptême, d'être sauvées. Donc, frère, c'était chaud. Je ne vais pas vous raconter ce qui s'est passé, quoi. Mais c'était terrible. Des combats. Vous voyez? Et c'est pour dire, en fait, que le Seigneur, en fait, c'est le vent, frère. Et quand tu vis le Seigneur, en fait, tu n'as pas le temps de regretter ton passé. Parce que le fait que les gens sont dans les religions, ils ne veulent pas rencontrer le Seigneur, on leur présente les religions. Mais on voit, c'est le monde, c'est le système. Après, le péché, c'est facile. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu la rencontre personnelle avec Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est cette rencontre qui va faire de toi un homme ou une femme qui va triompher de ce monde. Je vous dis, tout à l'heure je disais qu'il y a beaucoup de tentations. Il y a beaucoup de tentations. Mais c'est le fait d'avoir rencontré le Seigneur qui va faire qu'on va résister. Résister à l'adultère, résister au mensonge, résister aux pensées impures, résister aux fraudes, résister à la compromission. Pourquoi? Parce que tu vas te rappeler de ce que le Seigneur a fait pour toi dans cette rencontre qu'il y a eu entre toi et lui. Il y a 5 ans, 10 ans, et ça va produire en toi l'espérance, la persévérance. Vous comprenez? Je n'ai pas rencontré un homme, ni une femme, dans ma chambre, enfin pas ma chambre, mais en Guadeloupe, là, c'est là-bas ça a commencé ma rencontre avec le Seigneur, mes amis. C'était phénoménal. Je ne pensais pas me marier un jour, je ne pensais pas avoir une vista, ma femme, les enfants, je ne pensais pas à ça. Moi, c'était comme tous les entiers, avoir plein d'enfants partout. C'était ma mission. C'était ma vision. Boîte, carnaval, j'étais dedans. Mais le Seigneur permet la maladie dans ma vie. C'était terrible ce que j'ai vécu. Tu ne peux pas savoir ce que j'ai vécu, tu ne peux pas savoir. Tu ne peux pas savoir, seul moi je sais ce que j'ai vécu. Et il fallait que le chemin, la vérité, la vie, entre en contact avec moi. Et c'est là où ma vie a été. C'est là où j'ai reçu ma délivrance. Il a commencé à toucher ma vie. Parce que j'ai vu que les médecins ne pouvaient pas me guérir. Frère, je voyais la mort devant moi, j'allais mourir. Oh, mes amis.
Tu vois la mort devant toi, tu vois la maladie t'atteindre, on dit on ne sait pas ce que tu as. Et tu sens que tu meurs, tu sens en toi que tu vas mourir. Ma famille, mes parents disent, oh là là, Hervé, oh là là, qu'est-ce qu'il... Oh là là. Et tu vois que tes parents ne peuvent rien pour toi. Les femmes que tu as, tout ça, personne ne peut rien pour toi. À l'hôpital, seul là-bas, mes amis, personne ne peut te guérir. Les docteurs même fument la cigarette, comme je dis dans sa souvent aussi. Eux-mêmes ne peuvent pas te guérir. Ils fument la cigarette, tu dis, mais eux, mais ici, ils fument, ils sont aussi possédés. Et c'est là que j'ai commencé à tourner mon cœur, lever mes yeux vers Jésus-Christ. Mes amis, j'ai pas mis 2 ans, oh, je laisse les femmes. Frère, c'était rapide. La conviction de péché, et c'est écrit dans la parole, lorsque le Saint-Esprit vient dans ta vie, il va te convaincre de péché, de justice et de jugement. Conviction. J'ai dit à ma femme, oh non, on ne dort plus ensemble. Sa famille croyait que je devenais fou. J'ai dit, moi, les filles, j'ai demandé pardon aux gens, pardon la peau, pardon. C'était terrible, mes amis. Au coiffeur, je sens ma touffe. Quelle meuf, la photo avec ma touffe là. Personne n'a vu, hein. Une touffe. J'avais un coiffeur comme ça. Le coiffeur me dit, raccoupé, hein. En gros, je le coupe. J'ai dit, ouais, en fait, je voulais laisser Nat ici pour mon témoignage. J'ai oublié la Nat. Il a fait la coupe. J'ai oublié la Nat. En fait, le Seigneur m'a fait oublier ça. Parce qu'il était choqué. J'ai eu coupe. Après, je retire les boucles d'oreilles, je retire un, après je laisse un, après l'autre, j'ai retiré, après. En fait, nettoyage. Personne m'a dit coupe tes cheveux, retire les boucles d'oreilles. Personne m'a dit ça. Ou ton pantalon, remets-le correctement. Personne m'a dit ça. Personne. C'est le Seigneur. Quand je dis personne, c'est aucun homme. C'est le Saint-Esprit. Je vous dis la vérité. J'ai dit à ma femme, c'est fini, on va se marier. C'est fini le corps là. Séparation de corps. Mariage. Mes amis, c'était brutal. Brutal. Et je commençais à prêcher aux gens. Jésus, frère, c'est terrible. Une folie. Son amour, frère. Tu vois? Et c'est ça en fait qui m'a touché. C'est l'amour du Seigneur. C'est pour ça que je veux lui rendre gloire encore ce jour. Parce que j'aurais pu mourir il y a 12 ans en arrière, mes amis. Ah oui! J'ai fait prendre des balles, tout ça. En fait, il m'a protégé. Et je serai là aujourd'hui, beaucoup vont dire, ah, RIP. Pas vrai, je serai en bas. Et je sentais une chose, c'est que ma vie me condamnait. Je sentais que si je mourais là, j'allais là-bas. Je le sentais, le poids de mes péchés de sur moi. Vous comprenez? Et quand le Seigneur vient se révéler à toi, en fait, il te délivre, il te pardonne. Et tu sens son pardon en toi. Et quand il te pardonne, tu sens que tu es pardonné parce que tu ne veux plus refaire les mêmes choses. Et c'est là que tu sens que tu es pardonné. Tu vois? C'est que les gens, même s'ils vont te rappeler ton passé, tu es pardonné. Vous comprenez? Terrible. Voilà pourquoi aujourd'hui, s'il me dit parle, je vais parler. Crie, je vais le faire. C'est ma rencontre avec lui, frères et sœurs. Vous comprenez? C'est pas un truc mécanique. Comme tout à l'heure, Joanne, il avait son eau. Il fallait qu'il parle. Il a parlé. Vous voyez? Et c'est ça le Seigneur, il te conduit en fait. C'est pas quelque chose de mécanique. Il faut que tu sois tous les dimanches quelque part assis. Non, c'est pas ça. Tu peux vivre ta relation à la maison tranquillement avec le Seigneur. 2 ou 3 réunis en mon nom, il est au milieu. Avec nos frères, on communie, tout ça, même si on ne voit pas vous, on est communiant. Et c'est important. C'est-à-dire que si tu vois que tu vas faire quelque chose de mal, ton frère qui vient sur toi, il va dire attention, parce que nous sommes gardiens les uns envers les autres. Vous comprenez? Et c'est ça le Seigneur, c'est magnifique, frère. Voilà pourquoi toi, aujourd'hui, nous aujourd'hui, prenons courage. C'est bientôt fini. Résiste à la tentation, résistons à la tentation, mes amis. Parce que tu peux perdre toutes ces années que tu as vécu avec le Seigneur en un instant, frères et sœurs. Tu me dis, mais comment on peut faire tout ça? Parce que la chair est faible. La parole dit quoi? Celui qui pratique le péché est du diable. Vous savez, un chrétien ne peut pas rester dans un péché comme ça, matin, midi, soir, dedans. Non, à un moment donné, il va se dire, non, j'ai péché là, pardonne-moi, je m'en détourne. C'est ça.
C'est ça la repentance. Tu te détournes. On se détourne. Tu t'es mis en colère, Seigneur, pardonne-moi. Tu te détournes. Tu comprends? Tu as péché hier, Seigneur, pardonne-moi. Tu t'en détournes. Et tu avances. Il ne faut pas rester dans la condamnation. Ah, j'ai péché. Ah, j'ai... Mon ami, Jésus est mort sur la croix. Le sacrifice est là pour nous. Donc, je veux t'encourager. Ne reste pas dedans. C'est le temps d'en sortir. Parce que le sang a coulé. Le sacrifice est encore d'actualité. Le Seigneur ne ferme la porte à aucun humain. Le roi des rois, frère. La crainte du Seigneur, mes amis, ce n'est pas des jeux. Donc, il m'a guéri, frères et sœurs. Guérison surnaturelle. Vous voyez? C'est ça, le Seigneur. Il va te permettre que tu passes par des moments difficiles. Des moments où tu vas pleurer. Des moments où tu vas avoir la pression des choses. Tu vas vivre des choses terribles. Même moi, je ne peux même pas comprendre ce que tu vas vivre. Mais c'est qu'il veut que tu passes par là pour quelque chose de bien précis. Pour t'enseigner quelque chose. Moi, il m'a enseigné qu'il était le véritable Elohim. Elohim, c'est Dieu, c'est pour ceux qui savent. Elohim. C'est à travers tout ça que j'ai vu que Yeshua, là, ce n'est pas le petit Jésus-Christ qu'on a présenté dans l'Église catholique. Ce n'est pas le petit Jésus, on dit non, c'est Marie, sa maman, mais qui est son père. Ah, on ne sait pas. Non, je parle. J'ai compris qui il était, mes amis. Personne ne peut venir me dire non, Jésus n'est pas le sauveur. Personne ne peut me dire, je sais de quoi je parle. Vous comprenez? Paul, qui connaît Paul, Paul, sur le chemin de Damas, il allait pour persécuter les chrétiens. Boum, aveugle, révélation du Seigneur, mes amis. Quand Paul a eu la révélation du Seigneur, voilà tout ce qu'il a fait. C'est la révélation qui va te faire être fort et victorieux. Alléluia. La rencontre. Il faut que tu aies cette rencontre personnelle. Ne vis pas le Seigneur à travers les autres. Tu dois expérimenter qui est Jésus dans ta vie. Le Jésus qu'on prêche depuis des années, que tu entends prêcher depuis des années, il faut que tu le rencontres personnellement. Nous devons le rencontrer personnellement, mes amis. Vous comprenez? Qui comprend quelque chose? Et la pensée que je t'ai dit tout à l'heure, comment faire pour aller au ciel? Or, le monde, tout le monde va au paradis. On ira tous au paradis. Mais est-ce qu'ils savent comment pour... Est-ce qu'ils savent comment faire pour y aller? Très peu savent. Beaucoup pensent que pour aller au ciel, il faut faire des œuvres, des bonnes actions, il faut faire les maraudes, tout ça. Il y a beaucoup de chrétiens qui font les maraudes. Les maraudes, peut-être que le Seigneur va me pardonner. Il faut que je fasse quelque chose pour le Seigneur. Peut-être qu'il va me comprendre dans mon péché. Peut-être qu'il va être plus gentil. Il faut faire la balance, tout ça, comme certains. Tout ça, parce que peut-être qu'il va être moins en colère contre moi. Mes amis, ils se trompent. C'est la folie, ça. Pourquoi? Parce que la colère du Seigneur, en fait, le Seigneur a fait tomber sa colère sur qui? Sur qui? Jésus. Lui-même a fait tomber sa colère sur lui-même. Va comprendre ça, mes amis. Quelle puissance! Quel amour plutôt! Le jugement qui devait tomber sur toi et moi, il a fait tomber sur lui-même, sur la croix. Waouh! Voilà ce qui va nous sauver. C'est le sacrifice qu'il a fait sur la croix. C'est ça. Et les chrétiens, ils veulent faire l'œuvre, aller prêcher la parole, et ils sont dans le péché, mes amis. Mais pour essayer d'amadouer le Seigneur, peut-être que si je prêche la parole, peut-être, c'est la folie, ça, mes amis. Ça. On n'est pas sauvé par les œuvres. Mais sauvé par la foi. Et la foi au Seigneur va te faire manifester les œuvres. Mais c'est la foi au Seigneur d'abord.
Et aujourd'hui, le monde veut produire des œuvres, mais sans la foi, ils ne seront pas sauvés. Tu peux rester 10 ans chez toi, tu ne prêches pas l'évangile. En gros, tu ne veux pas de prédication peut-être. Mais tu es sauvé. Vous comprenez? Parce que beaucoup pensent que croire en Jésus, c'est forcément aussi prêcher. Forcément aller en mission. Forcément faire les nations. Forcément bâtir des choses, tout ça. C'est pas forcément ça aussi. C'est pas d'abord ça. Le Seigneur est mort sur la croix pour qu'on soit sauvé. Que notre vie puisse lui rendre gloire. Que quand il te voit, que tu lui sois agréable. Alléluia. Il est mort sur la croix pour traiter le problème de l'impiété dans le cœur, dans nos cœurs, frères et sœurs, le mal. C'est pour ça qu'il est mort sur la croix. Pas pour qu'on ait on devienne prophète, évangélique, pasteur, une église de 10 000 personnes, être connu de tout le monde. C'est pas pour ça. Pour nous sauver. Et le salut que tu vas recevoir du Seigneur, ben, il y aura les effets. Quel effet? Les âmes seront touchées, frère, sans forcément que tu parles beaucoup. Tu feras les choses de manière spontanée. C'est ça, chrétien. C'est être comme le vin. Un chrétien comme le vent, c'est-à-dire qu'on ne le comprend pas. Si on te comprend, il y a un problème. Si tu es compris, mon ami, tu as été évangélisé. Comme disait quelqu'un l'autre fois. Tu as compris? Le monde veut t'évangéliser pour revenir dans leur camp. Mes amis, c'est ça l'évangéliser. Ce côté-là, je prends là. Ne te laisse pas évangéliser par le monde. Évangélise-les. Ah, c'est une guerre. Hein? C'est une guerre. On veut te chanter le monde, te chanter les stars, te chanter la beauté de ce monde. Mon ami, évangélise-les par ton témoignage. Le témoignage là, c'est puissant, je vous dis. Sans forcément parler. Ta rencontre avec le Seigneur va faire des dégâts sans même que tu parles. Vous voyez? Et quand tu vas parler, alors là, c'est chaud, ça va secourir. Et nous sommes dans ce temps où le Seigneur anime ses enfants de son esprit. Mais frère, mais c'est puissant, frère. Tu vois? C'est puissant. Le Seigneur a un plan pour toi. Il a un plan. Et son plan là, qui va le détruire? Qui va détruire le plan du Seigneur pour ta vie? En vérité, nous-mêmes on peut le détruire. Mais nous-mêmes. Par notre quoi? Désobéissance. On peut perdre des années. Tu perds 5 ans, 10 ans. Pourquoi? Mais après tu vas chercher le démon. Mais il est où le démon de célibat? Il est, je te chasse démon de célibat. C'est pas ça le problème. C'est l'obéissance. Qui chasse des fois le démon de célibat ici là? Levez la main. C'est qui? Vous avez peur? N'aie pas peur. C'est pas filmé, hein? C'est qui? Lève la main. Ah là là, t'as un petit peu honte. Il n'y a pas de démon de célibat. Parce que le Seigneur dit quoi? Il n'est pas bon que... C'est valable aussi pour la femme. Donc le Seigneur ne peut pas se contredire. Alléluia! Qui va marier ici? Levez la main. Ça va aller. Oh, le Seigneur est fidèle. Frère, il ne peut pas aller à l'encontre de sa parole. S'il a déclaré ça, c'est bon pour toi. Tu as juste à obéir. Et ces choses viendront au temps convenable. Tu vois? Le Seigneur veut te bénir. Je parle à quelqu'un. Il veut te bénir. Il faut juste
être à l'écoute du Seigneur. C'est comme les enfants aussi, ils sont pas sages, ils n'ont pas de jouets, vrai ou faux. Mon fils m'a demandé un truc l'autre fois. J'ai dit, non, t'as pas été sage, tu n'auras rien du tout. Il faut être agréable. Quand tu es agréable, tu donnes sans regarder même. Vrai ou faux. Oh là là, terrible ça, Joanne. Hein? C'est beau, hein? Vrai ou faux en tant que parent, qui est parent ici. Quand il est agréable, tu donnes. Tiens, prends ça, Baou. Tu donnes. Parce qu'il t'est agréable, elle t'est agréable. Imaginez-vous le Seigneur. Quand tu lui es agréable, frère, tu n'es même pas obligé de commencer à lui demander. C'est déjà fait, c'est réglé. Les choses grandissent, tu ne comprends pas, ça prend. Oh! Parce que tu veux lui être agréable, même si tu as des défauts, hein. Tu as des défauts, on a tous des défauts. Mais tu veux lui plaire, il dit non, je tiens ma vie. Et il aime ça, le Seigneur, mes amis. Parce que si on veut venir au Seigneur, attendre d'être parfait pour suivre le Seigneur, on ne va jamais réussir. On ne va jamais réussir. Qui est parfait ici, mes amis? Et c'est ça qu'on doit réaliser, c'est que nous ne sommes pas parfaits. Seul le Seigneur est parfait et nous, nous tendons vers la perfection. Et si on réalise que nous sommes imparfaits, on va s'appuyer sur lui. Seigneur, je n'arrive pas, aide-moi. Et c'est ça qu'il aime. Mais si tu es là, oh moi, mon ami, ça c'est l'orgueil. Tu vois? Un chrétien qui reconnaît ses erreurs, ses péchés tout le temps, le Seigneur aime ça. Vous comprenez? Il aime ça. Mais si tu es là, tu caches. Et mon ami, attention, il va te dévoiler. Oh, pas des jeux. Hein. Vous comprenez? Non. Réalisons que nous sommes imparfaits. Et si on réalise ça, frères et sœurs, je vous dis la vérité, le Seigneur nous fera encore beaucoup de bien. Beaucoup de bien. Parce que s'il est mort sur la croix, c'est parce que nous sommes imparfaits. Ah ben oui, la parole nous dit qu'il n'est pas venu pour les justes. C'est écrit, hein. C'est pas pour les justes. Est-ce qu'il y a des justes? Il n'y en a pas. Il n'y a pas de juste. Il est venu pour les pécheurs. Pour nous justifier, nous sauver par les œuvres. Ou, qui connaît la parole là? Par les œuvres ou la... Alléluia. C'est pas suffi, vous êtes fatigué, on aurait dit là. Il est venu nous sauver par les œuvres ou... C'est ça? Non, c'est pas ça. Par grâce. Alléluia. Oui, c'est important. Si quelqu'un te prêche un truc qui est pas bon, faut pas dire. Ah, et tu sais, le pasteur, en fait, il a dit ça, mais c'est pas la Bible qu'il a dit. Hein. Et donc, tout le monde a dit amen. Alléluia. Frère, faut pas être hypocrite, mes amis. C'est pour ça qu'il y a des pasteurs, ils vont dire, c'est compliqué. Les gens disent amen et de. Ah mais le pasteur, en fait, c'est faux ce qu'il a prêché. Et tu rentres le dimanche prochain, prêche, alléluia. Frère, on a un problème de position pour la vérité. On a un problème. L'humain là, il a peur de dire les choses vraies, il a peur. Je vous dis la vérité. Parce qu'il a peur d'être rejeté, tout ça. Mes amis, tu peux me rejeter, je fiche royalement. Oh, alors là, c'est même pas mon problème. Si tu m'aimes pas, c'est pas mon problème, c'est pas mon problème. Yeshua même. Et c'est ça que le Seigneur veut que nous puissions réaliser, c'est qu'il nous aime. Donc si les gens ne t'aiment pas, c'est pas grave. Vous serez haïs de tous, c'est écrit. Mais le problème de beaucoup de chrétiens, ils veulent être aimés de tout le monde. Il faut qu'on m'accepte. Mais il faut... Oh. Et quand tu n'es pas accepté de tout le monde, dépression. Oh, je quitte la foi, je retourne dans le monde. Mon ami, tu n'as rien compris. Oh, oh. C'est ça le danger, mes amis. Il a dit, hein, dans sa parole, dans Matthieu, vous serez haïs de tous. Et ça peut être même dans ta foi chrétienne, ta communion chrétienne, quelqu'un peut te haïr. C'est pas écrit que c'est seulement pour le monde, hein, ça peut être l'église. Et beaucoup ont du mal à prier, à vivre leur marche parce qu'on ne les aime pas trop.
es converti pour qui? Pour aimer des autres ou pour aller au ciel? Frère, le chemin là, la marche chrétienne, c'est solitaire. Hein? Ah oui, c'est pas en groupe, hein? C'est pas en groupe, c'est solitaire. Dans le désert là-bas, là, le désert. On est tous dans des déserts compliqués ici, nous tous ici là. On a chacun notre désert, les amis. Et c'est dans le désert là qu'il faut bien tenir. Vous comprenez? Qui est dans un désert ici là? Obligé tout le monde. Hein? On est tous dans des déserts compliqués. Après, on voit les mirages là. Hein? Ah, c'est pas des mirages, c'est la bénédiction. Tu on passe par des souffrances. Et après, tu vois qu'un autre temps arrive. Ouh, et là, tu peux parler des choses parce que tu es passé quelque part, mes amis. C'est ça aussi, les chrétiens. Beaucoup ont prêché la Bible, ils auraient vécu. Le désert est venu, ils sont sortis. Ils sont partis boire l'eau. Ils n'ont pas attendu l'eau de vie. Ils ont pris une eau dans... C'est éteint ce truc-là. Allô? Un, deux. Voilà. C'est les piles. C'est rouge là, tu vois. T'as des piles? Voyez? Des raccourcis. Il y a beaucoup, ils veulent quitter le désert pour aller prendre des raccourcis. Parce que là-dedans, oh, Jésus, c'est bien, mais faut aller doucement. Hein? Mes amis, il va t'emmener là où il veut t'emmener pour que tu le découvres. Tu vois? Ah, les déserts, ça fait mal, hein? Mais quand tu en sors là, mes amis, oh lolo, c'est une révélation nouvelle que tu as du Seigneur. Et tu peux parler au effort. Tu sais qui est le Yeshua. Tu sais ce qu'il a fait pour toi. Tu comprends? Parce que le Seigneur, qu'est-ce qu'il veut, le Seigneur de nous? Entre lui et nous, c'est qu'il veut qu'on le connaisse. Donc en fait, il va permettre des épreuves. C'est écrit dans sa parole. Il crée l'adversité. Oh là là, t'as entendu ça des fois? T'as entendu ça que tu dis là? Il crée l'adversité. C'est lui-même qui crée l'adversité. Et nous, il est là, le diable. Attention, le Seigneur contrôle. Le diable a volé ma bénédiction. Mais non! Le diable, le mari c'était lui, mais le diable a fait échouer mon mariage. Mais non, c'était pas lui que le Seigneur voulait pour toi. Vous voyez, en fait, tout ce qui est pour toi, personne ne peut le ravir. Pourquoi? Parce que le bon berger, il garde ses brebis. Ah oui, les amis. Parfois, on pense que c'est le diable qui a cassé quelque chose, tout ça. Non! C'est le Seigneur qui crée l'adversité parce qu'il nous emmène quelque part. Il faut qu'on arrête. Et des fois, les démons disent, mais c'est même pas moi. Mais j'ai rien fait, en fait. Imaginez-vous les démons. Les chrétiens, on accuse tout le temps les démons. Tout ce qui se passe, c'est les démons. Une attaque, oh, les démons. Frère, des fois c'est le Seigneur qui permet des choses dans nos vies pour nous enseigner. Et nous on accuse toujours le diable. Comme si le Seigneur ne comprenait rien, il ne voyait rien. Mariton, les amis là. Et tu commences à maudire les gens. Oh, je... Non, attention, c'est le Seigneur qui a permis ces choses. Pourquoi tu le maudis? Pourquoi tu veux maudire ton collègue que le Seigneur prend pour bien te tailler là? Il y a des collègues. Hein. C'est compliqué, il faut les bénir. On rigole, hein? T'es dedans peut-être. Il veut nous tailler et nous former. Faut pas maudire tes collègues là, les pauvres. C'est le Seigneur qui les a pris pour nous parler. Tu comprends? Alléluia! C'est magnifique, mes amis. Le Seigneur. Tu vois? Il nous amène quelque part, il nous conduit, il nous fait grandir. Et en fait, tu vas devenir un modèle, un exemple pour beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes. Tu vois? C'est le fait de tenir ferme. Parce que le Seigneur, il s'est sanctifié pour lui aussi, mais aussi pour nous.
Il s'est sanctifié pour que nous soyons sauvés. Donc en fait, le fait que tu tiennes ferme devant les hommes qui te draguent, les femmes qui viennent te faire les yeux doux, la musique du monde qui t'attire un petit peu, les mélodies, tu résistes. Ça a l'air joli, oh, frère, c'est la chair qui aime ça. La chair, elle aime ça. Tu veux pas aller t'ambiancer, comme on dit, Maria Carré, c'est compliqué ça, les amis, là. Aujourd'hui, les chrétiens, vont, comme le monde leur manque, ils vont chanter des musiques qui ressemblent un peu aux musiques de Booba, musiques de Beyoncé. C'est compliqué, les amis, là. Parce qu'il y a la chair est attirée vers le monde. Ah oui, hein, c'est une guerre terrible. Et quand tu réalises dans quelle guerre que nous sommes, tu te dis, mais en fait, c'est éternel. C'est éternel après la vie terrestre. Donc le choix, il doit être fait aujourd'hui. Voici la vie, voici la mort. On doit choisir la vie, frères et sœurs. Le Seigneur est patient. Il est patient vers nous. Mais il est tellement patient, frères et sœurs. C'est magnifique. C'est glorieux. C'est glorieux cette patience qu'il a. Parce qu'on est frère, quand on se regarde, c'est compliqué. Parce qu'on voit en nous quoi? Cette imperfection. Celui qui dit, ah, moi je suis parfait, tout ça, t'es déjà perdu. T'es perdu. Mais en même temps, la parole dit qu'il revient chercher une église sans tache, sans ride. Parfaite, vraiment faux, irrépréhensible. En fait, il revient chercher ceux et celles qui reconnaissent tous les jours leur état de pécheur, quoi. Voilà, vous avez compris. Tu vois? C'est ceux-là qui revient chercher. C'est ceux qui sont là. Seigneur, aide-moi, papa, pardonne-moi, papa, s'il te plaît, purifie-moi. C'est ceux-là, en fait. Pas ceux qui se sentent Alléluia, 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 c'est fini. Jésus, mon ami, ils vont rester. Comme a dit Johan tout à l'heure, il allait quelque part, il a vu l'église, il sortait de l'église catholique, ça fume la cigarette, mes amis, comment tu peux voir? C'est compliqué. Donc je veux nous encourager, frères et sœurs, je vous dis la vérité, le Seigneur est vivant. J'aurais jamais quitté les boîtes de nuit, jamais quitté les femmes, le shit, tout ça, les musiques du monde, tout ça, si il était pas vrai. Il est vivant. C'est pas un jeu. C'est pas normal, depuis 12 ans, tu écoutes pas la musique du monde, tu ne traites pas les filles, tu dis pas de gros mots. C'est pas normal, c'est que quelqu'un est là pour nous aider. Et ce quelqu'un s'appelle Jésus, je te dis la vérité. Alléluia! Est-ce qu'on peut l'acclamer? Avant, le médicament, c'était le zouk. Zouk, là, c'est le médicament, l'ami. Oh, aujourd'hui, ce médicament, je l'ai vomi, mes amis. C'est pas un médicament. Là, c'est un médicament qui va te tuer, ça. La mort. C'est pour ça qu'on voit notre île, là. C'est compliqué. Je vous dis, c'est chaud. Là, je vois notre frère part en mission. C'est pas moi qui parle. Tout le monde croit que c'était moi, c'est pas moi. C'est Joanne qui parle le 26, là, pour en mission. Moi, je ne peux pas pour l'instant partir. Je m'occupe d'autre chose. Il part une semaine, là, et mes amis, c'est terrible. Beaucoup de gens vont dire, mais pourquoi vous êtes aux Antilles? La Bible dit quoi? Qu'est-ce que dit la parole? Qui se pose la question? Mais pourquoi vous êtes aux Antilles? Qui s'est posé la question? Soyons simples, il n'y a pas de souci. Qui s'est posé la question? Tu t'es posé la question? Pourquoi on va aux Antilles? Qui encore? N'ayez pas peur. Un petit peu. Qui encore? Mais quelqu'un d'autre? Je vais vous donner la réponse. Pourquoi? Vous êtes choqués. C'est terrible ce que Dieu m'a montré dans sa parole. Je vous dis là, sa parole est magnifique. Sa parole là, c'est terrible. Pas de compromission, mes amis. Pas de compromission avec sa parole. Qui c'est que j'ai une boîte? Boîte de Bokit. Qui c'est ça? J'ai ma boîte de Bokit. J'ai ma boîte de Bokit. Il y a un businessman qui est venu nous proposer de l'argent. Enfin, il y en a plusieurs là. Il m'a dit, je vais investir au moins des milliers d'euros dans ton truc là.
ou bien on fait une franchise. Tu me donnes le savoir-faire, tout ça. Mes amis, j'ai reculé, j'ai dit oui. Avec mon associé là, un frère. Frère, il veut investir de l'argent dans la boîte là, frère. Quand tu vois, tu te dis, oh là là, c'est alléchant. Ouh, ah ouais. La chair, tu vois. Frère, je me suis assis là. Écoutez bien ce que je vais vous dire là, c'est terrible. Je l'ai revu, il est revenu encore aujourd'hui là. Enfin, avant-hier. Il me dit, oui, les témoins de Jéhovah. Enfin, il fallait même pas me dire ça. Je vous dis. Parce que déjà, son offre qui m'a fait déjà, moi déjà, je suis en reculant. Parce que c'est l'ennemi, il est méchant. Tu comprends? Parce qu'on a un truc qu'on fait là, c'est terrible. On est dans les boquettes là, sans friture, mes amis. De changer ça. On est comme le vent, même dans les choses qu'on fait pour, dans la vie, frère. Comme le vent. On fait sans huile. Et là, c'est la pénurie d'huile. Hey hey. Ça fait 2 ans, bon, dis-nous. Le Seigneur nous a dit, on fait le bokit sans friture. Frère, on a fait ça. Je vais vous expliquer un peu, avant du passage. Je veux que je vous explique un peu, là. Il y a 2 ans, en fait, c'est quelque chose de mon cœur depuis 10 ans. Aux Antilles, j'ai commencé ça aux Antilles, les Agolos, tout ça. J'ai fermé il y a 12 ans et j'ai rouvert en France en 2018. On est en livraison. Et du coup, on m'a demandé de faire un événement et on m'a dit pas possible de faire de friture. Donc ma femme, on s'est dit, bon, mais comment on va faire pour ne pas faire l'événement? Donc du coup, on s'est dit, on va faire sans friture, enfin sans four. En addition, on fait sa main entière, il va nous lentiller. On connaît comment les lentiller. Qui m'a dit ça? Ils ont jeté dans la tête. On a tenté quand même le coup, ils ont tous aimé. Et du coup, on est resté sur ce concept depuis 2018. Et on a peaufiné le truc et ça cartonne. Les gens, ils aiment ça. Et le businessman est venu nous voir. Il a goûté un jour, il y a une semaine, il a goûté comme ça. Il a dit, ton truc là, je vois ça très loin, ton truc là. Je veux investir dans ton truc des milliers d'euros d'ici septembre. Ou prendre une franchise, mais tu me manques le savoir-faire, comment tu fais, tout ça. J'ai pris du recul. Il revient quelques jours encore, il me dit, il est venu encore acheter. Voilà. Et il me dit, parce que j'en ai des employés aussi qui travaillent. Là, c'est ouvert, c'est des employés boss. Frère, je vous dis, en fait, je vous dis, c'est de la folie, frère. Je vous dis, on est dépassé. Ça fait 7 mois qu'on a 7 mois qu'on avait, on a 2 employés là-dedans. On a appelé pour l'emploi, on est une entreprise, on veut des employés. Ils ont postulé, on a fait des entretiens. J'ai fait des entretiens. Donc j'ai fait des entretiens, tout ça. Bonjour, tu vois. Voilà, faut pas faire le mal. Ah oui, obligé. La boîte mode, vous montez aussi, il faut être sérieux, tout ça. C'est terrible, frères et sœurs. Non, c'est un truc de fou, les frères. C'est terrible. En fait, en 2018, on a commencé les événements. On a fait le mariage, tout ça, nanana, parce qu'on fait aussi à manger. Mais on s'est plus spécialisé dans les bokit et agoulou. Bokitos, on appelle ça bokitos. On a changé le truc, c'est bokit, on dit en créole, bokit. Mais comme c'est cuit sans friture, on l'appelle bokitos. Et la boîte s'appelle la bonne pause, POZ. Et du coup, il s'est passé quoi? On a fait des livraisons toutes les deux France, des livraisons. Et du coup, quand on a vu que ça marchait bien, on est passé en société en juillet 2020. Vous allez comprendre quelque chose. Juillet 2020, c'est quel mois de l'année? Le 7. 07, hein? Juillet, c'est 07. C'est 7. Et 7, c'est le chiffre du Seigneur, on sait ça. La perfection. Renfou. Et on est passé en food truck depuis septembre dernier. Et en avril, là. On est quand, là? Avril. Ça fait combien de septembre à avril? Combien de mois? 7 ou 8 mois. Non. Septembre. Novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. 7. Donc 7 encore.
Donc, il s'est passé quoi? Ben, ça fait 7 mois qu'on a ouvert le food truck. Et les employés, on les a pris. Contrat signé quand? Devinez. Enfin, devinez. Ben, imaginez-vous. 7 avril. Attends. Avec mon frère, là, qui j'ai pris pour aussi s'associer avec lui par rapport à ça. Je lui ai dit de venir avec moi parce que c'était trop d'être seul. Donc, il est venu avec moi et on s'est associé. Donc, on s'est assis, on a dit 7. On a dit non, il y a un truc du. Non. C'est pas normal ça. C'est pas du hasard en fait. Est-ce que vous comprenez? On s'est dit non. Il y a un truc du Seigneur là-dedans quand même. 7, on s'est dit non. Le Seigneur, c'est pas. Il y a un truc du Seigneur. C'est le Seigneur. Vous comprenez? Donc on a pris des employés là, ils sont en train de bosser là-dedans là. Et le businessman vient, voilà, aujourd'hui un businessman, il vient pour nous dire qu'il va investir tout ça. Et votre truc, je vois ça loin, tout ça. Et je dis, mais c'est compliqué ce qu'il me raconte là, tu vois. Et il vient avant, il y a quelques jours, il nous dit, il est témoin de Jéhovah. Il dit ça, il ne fallait pas me dire ça. Ah, il ne fallait pas me dire que tu es témoin de Jéhovah. Parce que je ne vais pas dire, ah, si je lui parle, il ne va pas investir. Aïe. Ah, est-ce que si je lui parle, il va dire non que... Non, frère, j'ai fait quoi votre avis là? J'ai fait quoi? Je vais bombarder la parole, mes amis. Business, pas un businessman, je ne sais pas comment on appelle ça. Tu vas entendre Jésus, mes amis, là. Ah oui. Il me dit, ouais, il est divorcé. J'ai dit, tu peux plus te remarier. Il me dit, si, j'ai fait ce péché, mon ami, là. Ah oui. Tu peux divorcer si tu veux. Parce qu'elle a dit, voilà, adultère, en cas d'adultère. Mais est-ce qu'il peut se remarier selon la parole? Tant qu'elle est vivante, il peut pas se remarier. Il me dit, si j'ai fait seul un mal, frère, je lui ai demandé la parole. Jésus est Dieu, parce qu'il me dit, Jésus n'est pas Dieu. Je lui ai parlé de toute la parole, tout ça, les versets, frère. Et il me dit, oui, en fait, ouais, ben, ça ne me dérange pas qu'on parle, tout ça. Nanana. Frère, je te mets l'évangile au début. Je te mets l'évangile en premier lieu. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de compromission. Dans le sens où on va... Oui, on va pas trop parler parce que, au cas où, frère, c'est l'évangile qui prime. Alléluia. C'est bon ça, frère et soeur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bref, l'obéissance. Obéir au Seigneur dans tout ce que tu vas faire. Et si nous obéissons au Seigneur, il va mettre sa main. Tu comprends? Et dans notre boîte là, on a dit aux employés là, ils m'ont demandé. Oh frère, c'est terrible. Parce que ça, ils ont vu qu'on n'écoute pas la musique du monde. Écoutez bien ça, mes amis là. Ils ont vu qu'on n'écoutait pas du dancehall, tout ça. C'est que des louanges, frère. Je passe que des louanges là-dedans, mes amis. Vous comprenez quelque chose? Si le monde met leur Dieu dans leur truc, pourquoi on va cacher Yeshua? On met les louanges. Et un jour, ils m'ont dit, est-ce que on peut mettre la musique du monde si t'es pas là? J'ai fait, quand je suis pas là, je suis pas là. Mais quand je suis là, vous mettez pas vos trucs là. D'ailleurs, on va faire une clé pour qu'ils écoutent ça quand même. c'est à nous, non? Donc on fait ce qu'on veut. Au début, j'ai dit, bon, je suis pas là, je peux les imposer. Mais en réflexion, j'ai dit, non. On va faire une clé là, express, évident, l'identité de la boîte. Je l'ai déjà dit ça là. On va mettre la musique des louanges. Quand je ne suis pas là, vous mettez ça aussi. Et un jour, ils ont mis du rétro zouk. Frère, je vous dis, il se passe quelque chose même dans l'entreprise. Hein. Des emplois, des clients ont dit, pourquoi vous ne mettez pas la musique immervée là? Hein? Donc les clients réclamaient les louanges. Mes amis, je vous dis, les clients demandaient la louange parce qu'ils n'en étaient pas là. J'ai dit ça là, dans toutes leurs élèves, c'était encore plus fort pour moi pour changer ça encore là. Donc vous avez écouté. Vous avez écouté la louange. Pas de sentiment, mes amis. S'ils veulent partir, il y a encore qui vont venir encore des employés. En fait, c'est pour vous dire que le Seigneur pourvoit. C'est-à-dire que ce qu'il te donne là, il ne faut pas que tu trouves des tactiques pour essayer de plaire au monde. Mon ami, fais pas ça. Si tu fais ça, c'est le mélange qui va rentrer et tu vas. C'est compliqué. Il faut glorifier le Seigneur jusqu'au bout. C'est lui qui donne.
Ah oui. Là, c'est pour vous encourager, tous ceux qui veulent entreprendre. Qui veut entreprendre ici, là? Toi, tu veux entreprendre? Levez la main. Qui veut entreprendre? Ah oui, il y a beaucoup de personnes. Hein. Ça vous encourage au témoignage, hein? Les amis, c'est terrible. Vous voyez? Donc, pas de compromission dans tout ce que tu vas faire. Le Seigneur doit être le premier. Voilà pourquoi c'est la rencontre avec le Seigneur. La rencontre avec le Seigneur, tu fais tout pour le Seigneur. On m'a proposé des employés qui ne sont pas déclarés, tout ça. J'ai fait ça, le péché, je ne veux pas ça, moi. Mes amis, il faut être intègre et juste dans tout ce que tu nous allons faire. C'est ça le Seigneur. Hein? Et c'est ce qui fera la différence avec le monde. Tu vois, voyez? Le Seigneur fera la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Et on le sert dans ses actes-là, frères et sœurs. Et le Seigneur, il aime ça. Ah oui? Argent par argent, je te parle du Seigneur, mon ami, selon toute la vérité. Je ne vais pas modifier la parole parce que tu veux mettre l'argent. S'il entend, il entend, c'est pas mon problème, ça. Vous comprenez? Parce que c'est le Seigneur qui donne. Tu vois? Donc, il ne faut pas chercher des raccourcis, tout ça, parce que là, tu vas tout perdre. Alléluia! Donc, je te dis, le Seigneur bénit ceux et celles qui lui sont agréables. Il n'exauce pas la prière des. C'est écrit, hein? Ah oui! Donc, si tu veux entreprendre, je t'encourage. C'est possible. Chrétien, il ne faut pas entreprendre. Hein? Tu peux entreprendre. Donc, on est resté 7 mois là-dedans à tourner. 7 mois après, le frère, on peut prêcher la parole et ça tourne là-bas. Parce que le Seigneur veut que nous y allons partout annoncer la parole. Vrai ou faux? Donc, il veut nous rendre libres. Du métro, boulot, dodo. Métro, boulot. On est fatigué. Qui est fatigué de ça là? Moi, je suis fatigué. Je suis fatigué. Vous comprenez? Je suis parti des fois avec ma femme, mes enfants quelque part, et ne pas être soucieux. Ah, oh, il faut poser des jours, tout ça. Oh là là, est-ce qu'il va accepter le patron? Oh là, c'est compliqué ça, les amis, là. Donc le Seigneur, je crois qu'il va nous faire avancer dans l'entrepreneuriat. C'est qui encore qui veut faire ça? Levez la main. Allez. Allez-y. Je vous dis la vérité. Le Seigneur est bon. Allez par étape, étape par étape. Ça va marcher. Au nom de Yeshua. Prions pour que ça marche pour eux aussi. Pour nous tous. Au nom de Yeshua. Père, nous prions, papa, que tout puisse marcher, papa, pour nos frères et sœurs, papa, qui vont entendre aussi, papa, ce partage, papa, que tout marche pour eux, Seigneur, parce que je crois que tu es le visionnaire par excellence. Oh, papa, nous te bénissons, papa, que tous les projets, papa, de nos frères et sœurs puissent marcher, papa, au nom de Yeshua, que les portes puissent s'ouvrir, papa, au nom puissant de Yeshua de Nazareth. Alléluia. Et c'est la crise de friture. Pas d'huile. Frère, ça me choque, hein. C'est pas par hasard, ça, c'est pas un jeu d'hasard ou d'échec, hein. C'est réfléchi par le Seigneur depuis. Mais t'es pas lui parce que la bombe a pété là-bas, ils vont tout augmenter, il y a un peu d'huile. Alléluia. Le Seigneur, frère, je te dis, l'obéissant, parce qu'en fait, il voit loin déjà. Donc, en fait, t'as un coup d'avance sur toutes les fritures, là, tous ceux qui font l'huile. On se moque pas de Yeshua, mais c'est pour te dire. Ah oui! En fait, le Seigneur, c'est le plus grand visionnaire. Donc, dans ton projet, là, aïe, 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 il faut le mettre dedans aussi. Hein? Ah oui! Dis pas, non, oh, le Seigneur, il est au ciel, il ne comprend pas les choses de la terre comme ça. Enfin, je vais gérer ça moi-même. Bon, on fait comme ça. Attention, tu vas échouer. Parce qu'il était charpentier, lui. Hein. Donc, il sait, il connaît comment on construit les choses. Alléluia! Hey! On va la charpentier, c'est quoi? C'est des maisons, non? Donc, il sait mettre la clou quelque part. Poc, 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 il connaît. Ah oui! Alléluia! Il nous bâtit, nous sommes sa maison. C'est nous, sa maison. Il nous bâtit, frère. Il va te bâtir. C'est glorieux.
Le Seigneur est glorieux. Alléluia. Donc tout à l'heure je disais, qui se pose la question, pourquoi on va que aux Antilles, nanana. C'est ça? On va lire un passage. Bien encouragé. T'es encouragé, hein? Alléluia. Je suis pas là pour vous raconter des trucs. Alors la Bible dit dans... Je sais pas. On sait ce qu'on dit. Hein. Matthieu 15, verset... Matthieu 15, verset... On va prendre verset 21. Matthieu 15, 21. Pour commencer. C'est bon? Et Yehoshua étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne, voilà, sortant de ses contrées, s'écria en lui disant, « Seigneur, fils de David, aie pitié de moi, ma fille est misérablement tourmentée par un démon. » Je me dis, je viens de dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais c'est pas pour ce qu'il dit. Ça parle pas de la Guadeloupe, tout ça, qu'est-ce qu'il raconte? Vous allez voir. Verset 23. Mais il lui répondit pas, mais il ne lui répondit pas un mot. Et les disciples s'étant approchés, le priaient en disant, renvoie-la, car elle crie derrière nous. Et il répondit en disant, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il nous raconte encore? Vous allez comprendre. Pourtant, Jean 3, 16 dit quoi? Qu'est-ce que dit Jean 3, 16? Quelqu'un peut le lire, s'il vous plaît? Jean 3, 16, qui peut le prendre tout de suite? C'est fort, Joanne. Hein? C'est terrible. Qui l'a lu? Peut-être, oui. Il va le lire. Car Elohim a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. On peut sous-entendre que ça se contredit ces versets. Vrai ou faux? Mais c'est bizarre, il dit Jean 3, 16, c'est pour le monde, et là il dit que pour Israël. Mais qu'est-ce que le Seigneur nous raconte là? Il se contredit quand même. Non. Il dit quoi verset 25? Mais s'étant approchée, elle l'adorait en disant, Seigneur, aide-moi. Il lui répondit en disant, il ne convient pas de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Mais elle dit, cela est vrai, Seigneur, cependant les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Yeshua répondant lui dit, ô femme, ta foi est grande, qu'il t'arrive comme tu le veux. Et alors même sa fille fut guérie. On reprend le verset 24. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. On va prendre acte 2 tout de suite. Acte 2. Acte 2. Non, acte 1, excusez-moi. Acte 1, verset 8. On y est? Mais vous recevrez la puissance du Saint-Esprit qui viendra sur vous et vous serez mes témoins, non seulement à Jérusalem, mais aussi dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de... Qui a compris? En fait, le Seigneur a été venu d'abord pour sauver son peuple élu, Israël. Vous comprenez? Il avait une vision, une mission, un objectif. Alléluia. Donc il ne fallait pas en fait qu'il sorte de la vision qu'il avait actuellement. Il devait commencer d'abord par Jérusalem. D'abord chez nous. Waouh, c'est beau ça quand même. Hein? Vous voyez? Ensuite, chez toi, tu passes à Judée. De Judée, tu passes à Samarie. Et de Samarie, tu vas où? Les nations, mes amis. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose là? C'est pas beau? Qui avait compris ça comme ça depuis? Vous voyez? Donc en fait, on doit commencer à prêcher la parole chez nous d'abord. Vous comprenez? Chez nous d'abord. Le Seigneur lui-même a commencé d'abord chez lui. Et après, il est passé à Jean 3, 16. Le monde entier. Parce qu'on peut croire que le Seigneur n'est pas cette dame qui... Oh la pauvre, il ne peut pas lui parler. Elle est... Non, ce n'était pas encore le temps d'aller dans les autres nations. Il devait commencer par Israël. Vous comprenez? Parce que la vision que le Seigneur m'a donnée en 2013, l'évangélisation, ça s'appelle comment? Évangélisation des nations. On peut dire, mais là, c'est pas les nations. En fait, le Seigneur veut les nations, oui.
Mais il veut d'abord qu'on commence à Yerushalem, chez nous, qu'on commence à bâtir quelque chose. Qui suis un peu ce qui se passe aux Antilles? Par rapport aux missions qu'on peut faire, frère, je vous dis, c'est chaud. Le Seigneur sauve des âmes, bat. Là, il y a des choses qui se passent. Il y a Unité Caraïbe, l'association que le Seigneur m'a mis à cœur de mettre en place. Et là-dedans, il y a des frères et sœurs qui travaillent. Ils font des marottes, tout ça. Qui, vous avez suivi un peu. Hein. Et ça bosse. Et les frères et sœurs se rendent compte, en fait, que, ben, en fait qu'ils ne sont pas là que, à rester assis. En fait, le Seigneur m'a mis ça à cœur. Pas manquer là-dedans. C'est d'autres frères et sœurs qui travaillent. On est ensemble, on s'encourage. Et on se rend compte qu'aux Antilles, quelque chose se bâtit par rapport au travail que le Seigneur veut faire. Alléluia. Donc d'abord chez nous. Comment je peux aller dans un autre pays alors que chez moi, il n'y a rien qui s'est passé chez moi? C'est compliqué, ça, c'est compliqué. Vous comprenez? Donc on doit commencer chez nous. Et ensuite, ça va plus loin après. Voilà pourquoi le Seigneur, ben, avec nous, il veut qu'on aille, ben, comme la parole le dit, dans l'ordre. Pas dans le désordre, les chrétiens vont aller dans le monde entier. Ils n'ont rien fait dans leur pays, mes amis. Dans des pays qu'ils ne connaissent même pas, ils veulent aller là-bas, faire l'œuvre, tout ça. Et ils n'ont rien fait dans leur pays. Ils font les choses à l'envers, mes amis. Là. Vous comprenez? Le Seigneur lui-même a commencé par Israël. Et après, dans Jean 1,12, la parole dit que, quoi, il est venu chez les siens, mais ils ne l'ont pas reçu. Quand le temps va venir d'aller ailleurs, tu vas aller ailleurs. Mais d'abord, on doit commencer chez soi. Dans ton pays, de quel pays? Ben, commence dans ton pays. Tu vois? Donc, quand le temps va venir, comme il n'y a pas longtemps, vous voulez aller au Sénégal, Maroc, le Seigneur nous a ramené à l'ordre. Non, 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 non. Pour l'instant, c'est là-bas. Là-bas, on verra ça après, mais commencez ici. Mais même si on prêche ici, les gens entendent partout. On entend dans le monde entier quand on publie des vidéos et tout le monde entend. Mais le Seigneur commence d'abord chez nous, d'où on vient, et après ça ira plus loin. On fait les choses dans l'ordre. Et c'est là que j'ai compris ces choses-là. Je me suis dit, oh là là, c'est vrai, mais moi je dis, mais Seigneur, les entiers. Mais en fait, c'est comme c'est l'ordre des choses. Alléluia! Ça répond à votre question un peu. C'est terrible. Croyez pas qu'on aime les Antilles plus que les autres pays, on aime tout le monde pareil. Mais c'est chez nous, c'est normal que chez nous, on veut que chez nous ressemble la parole, vivre des choses avec le Seigneur. C'est normal. Voyez? Waouh! C'est ça l'évangile. Étape par étape, de gloire en gloire. C'est ça l'évangile. Tu vois? Même dans ce que tu vas faire là, t'entreprendre. Étape par étape, tu vas vraiment pleurer un peu. Ah oui? Pleurer un peu, tout ça, et après tu vas voir, ah ouais, heureusement j'ai pas abandonné, frère, faut pas abandonner. Tu vois, le Seigneur a pu abandonner Israël. Quoique la parole dit aussi qu'il s'est tourné vers les autres nations, tu vois, c'est écrit. Parce qu'ils l'ont rejeté, il s'est tourné vers les autres nations, tu vois. Mais le plan du Seigneur s'accomplira, frère et soeur. Alléluia. Waouh, qui est éclairé par rapport à ça? Tu voyais? C'est magnifique. Donc les choses commencent d'abord chez toi. Celui qui n'a pas soin des siens est pire que un infidèle. Ça commence encore chez nous. Voyez encore chez nous encore. Yerushalem. Tu ne peux pas vouloir prêcher à la Chine, dans un autre pays, toujours en mission. Quelque part, tu fais marrant, tu fais plein de trucs, mais chez toi, la parole n'est pas prêchée. C'est un problème. Ça doit commencer chez nous. Chez nous, doivent entendre la parole, recevoir la parole, et aussi ben, savoir qui est le Seigneur. Faire un travail chez nous. Nous sommes des sacrifices d'abord pour chez nous. C'est beau ça, frère et soeur. Pour ta maison, pour ta femme, pour ton mari, être un sacrifice. Parce que nos femmes, je parle pour les hommes, nous les hommes, on n'est pas polygames, seront touchées par notre témoignage. Quand ma femme a vu qu'elle peut fouiller mon téléphone portable, avant c'était pas possible ça les amis. Quand elle a vu que je la tape plus, tout ça, violence, c'était compliqué. Hein? Quand elle a vu que je l'insulte plus, tout ça,
il n'y a plus de filles, tout ça. Frère, elle a dit non, c'est quelque chose de bon qu'il a rencontré lui là. Parce que c'est moi qui me suis converti en premier. Et quand elle a vu ça là, et que le Seigneur a guéri son rein parce qu'elle avait un problème de rein, le Seigneur l'a guéri. Bon, je vous dis, c'est terrible. Qui croit ça? Guéri! Elle a failli mourir comme sa famille là. Ils sont tous morts de dialyse. Ça, c'est des démons ça. Et quand tu vas au Seigneur, boum! Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ ou Yeshua. Ah oui, guéri, tout ça. Elle a vu que. Ah ouais, mon mari, c'est. Ah ouais, ouais, non, non. Il faut que je. Ouais, il faut que je suive ce qui suit là. Je vous dis, le témoignage. D'ailleurs, je peux fouiller mon portable. Matin, midi, soir, tout fouiller dedans. Il n'y a même pas de code. Qui fait ça? Jésus. Jésus, il fait des choses terribles. C'est mon compte en banque, elle a même ma carte. Fais ce que tu. Elle va faire n'importe quoi parce qu'elle sait qu'il y a Jésus ici. Elle sait que c'est compliqué si elle fait n'importe quoi. Oh mes amis. Donc la paix top, je ne sais même pas combien elle est tombée, celle qui garde la carte. Moi j'ai même pas de carte chez moi, frère. J'ai mis la carte dans le téléphone. Parce que je perds tellement de trucs, c'est compliqué. C'est pour te dire en fait que dans ton couple, le Seigneur va rappeler la transparence. Tu comprends, frère et soeur? Tu sais, il n'y a plus de cachotterie, tout ça. Si on te drague, tu vas dire à ta femme. Si tu dis pas, c'est que ça te plaît. Ah oui, les amis. Hein. Ah oui. Ah, il faut tout dire. Hein. Ah oui. Et c'est ça, Jésus. Et quand tu fais ça, là, le diable fait, ah, pourquoi il a dit? Mon plan est brisé encore. C'est pas possible. S'il dit pas, j'aurais mieux travaillé encore. Oh là là, il a dit. Il a tout mis à nu. Oh là là. Je vous dis, c'est ça. En fait, le Seigneur, ça va. Frère, on s'en rend pas compte. Le Seigneur, c'est pas, il n'est pas là pour nous donner des pochettes surprises. Des... C'est pas ça, le Seigneur. Le Seigneur, il gère tout, tout dans notre vie, tout. Vous comprenez? C'est pas c'est le dimanche, c'est pas ça, Jésus. Hein? Ah, je vais aller écouter Jésus à l'église. C'est pas ça. C'est dans ta vie de tous les jours que tu l'écoutes. Vous comprenez? Qui comprend quelque chose dans tout ce que je dis là? Ça vous encourage, après c'est ça. C'est beau. Donc ton mari là, ma soeur, il faut que tu le laisses fouiller dans ton portable quand il veut. Il y en a qui disent, mais pourquoi, quand tu commences à dire pourquoi, c'est qu'il y a un problème déjà là. Ça, je ne sais pas pourquoi je parle de ça là. Chacun prend sa part. Même ceux qui vont écouter Jésus plus tard. Chacun prend sa part. Si tu ne veux pas que ton mari fouille dans ton portable, c'est qu'il y a un problème. Si tu le prends partout, tu vas aux toilettes, dans la chambre, là-bas, il y a un problème. Ah, mon ami, c'est compliqué. Hein? C'est ça que j'aime le Seigneur. Liberté, frère. Libre. Ah oui. Si tu vois mon frère, ta femme, elle dit non, mais pourquoi? Ça, c'est compliqué, ça déjà, les amis. C'est compliqué. Elle va dire pourquoi déjà. Non, tu regardes. Pas de problème. Vous voyez? Ça, c'est pour ceux qui ne sont pas encore mariés, là. Pour ceux qui sont mariés aussi. Parce que ceux qui sont pas mariés, ils vont vivre des choses, ils ne vont pas comprendre. C'est qu'il y a déjà un problème, si tu peux pas. Alléluia! Avouez les choses. On a dragué, dis on a dragué. Parce qu'il y a des femmes qui sont draguées au travail, ils ne vont pas dire à leur mari. Et après, ils vont se faire belle pour le travail le lendemain matin. Enfin, je me laisse parler, je me laisse conduire. Hein. Parce qu'on leur a dit que tu étais belle au travail. Donc, et le mari dit, tu vois au boulot, pourquoi tu es comme ça? Mais je dois être coquette ou je ne sais pas quoi. Pas vrai, c'est parce qu'on lui a dit qu'elle était belle et elle veut te montrer encore qu'elle est plus belle encore. Ça l'a touché. C'est chaud, hein? Mes amis. C'est vrai, c'est pas vrai, Susanna. C'est vrai. Si on t'a dragué, tu viens ce soir à la maison. Moi, je balance tout. Hein. Ah, je balance tout. Frère, je balance ça. Ça me délivre aussi. Ça te délivre. Donc, ça va te délivrer, te protéger en disant les choses. Parce que la chair est faible. Ah oui.
La chair, quand au travail, est entourée des pécheurs. Hein. Donc la chair, elle est attaquée partout. Bloum, bloum, bloum. Bloum, bloum, bloum. Elle prend des coups de porte. Frère, c'est compliqué. Je vous dis. C'est chaud, hein. Croyez pas que nous, on est plus fort que vous, on est pareil, hein. Oh. C'est une guerre, en fait, et on doit savoir qu'est-ce qu'on veut. Aller au paradis. Parce que le but, c'est pas de faire plus. C'est d'aller au paradis, hein. De rentrer au paradis, le Seigneur te dira, nous dira, bien, bien, ma fille, bien, mon fils, t'as vaincu, vous rentre dans ta demeure. Mes amis, oh là là, vous imaginez ça, frère et soeur. Ta demeure qui construit déjà au ciel, une demeure terrible. Avec un fleuve derrière, un petit fleuve derrière, les petits poissons que tu vois. Le repos, tout ça, les oiseaux. C'est terrible ça. Et c'est pas une fable, hein. C'est réel. Des fleurs, tout ça, c'est terrible, frère et soeur. Voilà pourquoi le Seigneur nous demande juste quoi? Nous repentir et lui obéir. Et c'est lui qui va nous aider à lui obéir, c'est lui. S'il n'était pas là, on peut pas. Qui va lui obéir ici là? On ne peut pas lui obéir de nous-mêmes. C'est lui qui nous aide. Enfin, j'ai trop envie de le voir, lui. C'est terrible. Alléluia. Oh, c'est magnifique. Hein. Oh, papa. Seigneur, tu es merveilleux, papa. Papa, tu es bon. Alléluia, Seigneur. Tu es glorieux, papa. Alléluia. Waouh, frère et soeur, c'est magnifique. Souffrons encore un peu, frère, ça va aller. On ira au ciel, dans le repos. Alléluia. N'abandonne pas ma soeur. Mon frère, n'abandonne pas. Tu vas y arriver. On va y arriver. Le Seigneur ne nous condamne pas. Personne ne peut te condamner. Le Seigneur ne te condamne pas. Donc si les hommes te condamnent, ça c'est eux, ça c'est eux et eux. Le Seigneur ne te condamne pas. Il va te transformer. Les gens te voient aujourd'hui comme tu es, tout ça. Mais le Seigneur te voit demain. Qu'est-ce qu'il va faire de toi? Qu'est-ce qu'il fera avec toi? Et si tu restes à chercher l'amour des uns des autres, tu iras nulle part en fait. En fait, ça va te faire du mal. Donc voilà pourquoi si le Seigneur t'aime, c'est le plus important. Alléluia, frères et sœurs. C'est le plus important. Waouh. Encourageant. Et moi, je suis encouragé. C'est magnifique. Parce qu'on se rend compte que on est tous dans le même bateau. Amen. Qui veut prendre son baptême? Levez la main. Venez, venez les baptêmes. Venez, venez. Venez tous les baptêmes. Venez devant. Alléluia. Wow. Wow. C'est tout ce qu'il y a comme baptême? Maman. Ah, il y a la maman. Bien. Il y a aussi ma soeur. Alléluia. On baptise. Wow. Tu veux tout ça tout seul? Ton frère c'est qui? Il est baptisé déjà? Ouais, il est déjà baptisé. Ah, ok. Waouh. Qui encore? Qui n'est pas baptisé encore? Qui n'est pas baptisé? Parce qu'on va rappeler. Hein. Qui n'est pas baptisé là? Qui va baptiser ici? Tu me baptises? Non. Tu n'es pas baptisé? Est-ce que tu veux donner ta vie au Seigneur? À Jésus-Christ? Hein? T'as déjà donné ta vie au Seigneur? Moi? Oui. Oui. Baptisé par grâce déjà aussi? Oui. C'est ta cousine? C'est ta fille? Ah, tes enfants, ok. Tu as un petit doute encore, c'est ça? Tu te dis, ah, qu'est-ce qui te fait douter? Tu sais pas. D'accord, ça va, il va te toucher, le Seigneur. C'est lui qui touche les cœurs. Waouh! C'est beau, hein? Et, ok. Qu'est-ce que ça touche? C'est l'amour de sa guerre? Non, mais ça fait depuis longtemps que je suis converti, mais je me suis jamais baptisé. Ah, d'accord. Ben, on va te baptiser. Hein. Et toi, ça fait pas longtemps que tu m'as dit toi aussi. Ça fait pas longtemps que t'as vu au Seigneur, ça fait. L'année dernière. Et non, ça fait un an. Et non, et toi? Deux ans. Deux ans, pas baptisé encore? Non.
La parole dit que quand on croit, il ne faut passer par les eaux du baptême. Oui, Mais c'est malheureusement, il y a beaucoup de gens, en fait, on leur dit il faut avoir des cours de fondement. On a voulu me faire ça au début de ma conversion aux Antilles. On m'a dit il faut faire les cours, tout ça. Frère, je voyais la Bible, je voyais que l'Eunuque éthiopien, tu connais, tout de suite baptisé. Pierre a prêché baptême. Je connaissais rien de la Bible. J'ai commencé à lire ça. J'ai dit non, je veux mon baptême. Ils ont dit ouais. On nous baptisait. Les choses. Ah non, c'était compliqué. En fait, ils n'ont pas pu me mettre dans un système. Non. Ça, la Bible dit ça, c'est ça. Je veux mon baptême. Ils m'ont baptisé la mer après. Vous voyez? Donc en fait, c'est ça. On n'a pas nous. Ceux qui vont écouter ce message, il ne faut pas qu'on te dise oui, il faut que tu fasses les cours. Ça, c'est pour la dîme là-dedans, là, pendant 10 ans. Que tu reviennes, que l'église se remplisse. Ils ne veulent pas que tu repartes après. C'est pour garder les gens captifs. Et c'est grave ça, mes amis, ça. Je vous dis la vérité, c'est grave. Voilà pourquoi il faut qu'on annonce la vérité, pour que les gens soient libérés. Je vais prier pour toi. Seigneur, merci, papa, ma soeur. Papa, Seigneur, je prie, papa, qu'elles soient délivrées. Qui peut l'aider parce qu'elles sont en Yeshua? Papa, qu'elles soient libres maintenant. Au nom de Yeshua, qu'elles soient libres, soient libres. Sors d'elle, sors. Sors de ce corps. Sors, allez pas. Sors d'elle. Elle est libre. Quitte-la. Quitte sa vie. Tu sors de sa vie. Elle est venue pour être délivrée par le Seigneur. Elle va prendre son baptême. Maintenant, tu la lâches. Lâche-la. Elle appartient à Yeshua. Esprit mauvais. Lâche-la. Non, Yeshua. Quitte son corps. Quitte sa vie. Maintenant, allez, tu sors. Sors d'elle. Pars d'elle. Allez, quitte-la. Quitte son corps. Il va la délivrer. Il y a un pain dans le truc là. Il faut prendre le pain dans le sac derrière. Quitte-la. Quitte sa vie. Dans le nom puissant de Yeshua de Nazareth. Lâche-la. Elle va vivre avec le Seigneur heureuse. Au nom puissant de Yeshua de Nazareth. Seigneur, merci papa, ma soeur. Tu délivres papa. Merci pour sa vie qui est restaurée, papa. Seigneur, ton vent souffle sur sa vie. Ton vent souffle sur son âme, papa. Alléluia. Alléluia. Le vent de l'esprit du Seigneur. Alléluia. Père, merci pour sa vie, papa. On en est choix. Alléluia. Merci pour sa vie, papa. Que soit béni, Seigneur, dans Yeshua de Nazareth. Alléluia. Que le Saint-Esprit va pas demain dans sa vie. Alléluia, Seigneur. Alléluia, papa. Merci pour ma soeur. Seigneur, merci pour son âme que tu guéris, papa. Seigneur, de tous ses pleurs, papa. Papa, tous ses pleurs, papa, soit Père de gloire, soit séché. Ses larmes soient séchées, papa. Seigneur, merci, papa, quand tu consoles son cœur, tu consoles sa vie. Oh, Seigneur, Yeshua. Alléluia. Merci, papa, pour le bien que tu lui fais. Tu t'es fait du bien, le Seigneur. Mm-hmm. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Moi, je veux reconnaître tes péchés. Qui veut confesser ses péchés aussi en même temps? Venez, ceux qui veulent abandonner le péché. Qui veulent abandonner le péché. Moi, c'est parce que tous les jours, j'ai des pensées impures. Je dis pas de gros mots, mais dans mes pensées, en fait, genre, j'ai des gros mots. Et tous les jours, voilà, c'est tous les jours. Qui veut abandonner encore le péché? Seigneur, merci pour sa délivrance. Quitte son corps maintenant. Toi qui envoies toutes ces pensées-là, lâche-le. Lâche-le maintenant. Lâche sa vie. Prions. Lâche sa vie à mon frère. Lâche-le pour mon frère. Seigneur, papa, tous ces pensées, papa. Père, sois. Papa, délivré. Pars de lui. Au nom de Yeshua. Sois délivré, mon frère. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua de Nazareth.
Sois délivré, mon frère. Sois délivré au nom de Yeshua. Père, que ces démons, Baba, puissent quitter sa vie maintenant. Maintenant, lâchez-le. Lâche-le, lâche-le. Toi qui as des mauvaises pensées, lâche-le. Lâche-le. Lâche-le au nom de Yeshua. Oh, Papa, merci pour sa vie. Merci pour sa vie, Papa. Au nom de Jésus-Christ. Et c'est tout le temps, ça vient tout le temps, tout le temps, tout le temps. Même là, tout le temps. Les insultes, hein. Ouais. Tu pries? Et c'est tout le temps, ça vient, tout le temps, ça vient. Des insultes, des insultes. Des insultes, des pensées impures, des pensées, tout. Ouais. Tu vois, ouais. Merci, Papa, pour sa délivrance, c'est pas mon frère, Papa. Papa, il a confessé, Papa, ce péché, Papa. Seigneur, je prie, Papa, que tu le délivres, Papa, de ce démon, Papa, qui envoie de mauvaises pensées, Papa. Des insultes, Papa. Seigneur, que ça puisse lâcher son corps, son cœur. Lâche ton cœur, lâche sa vie. Lâche sa vie maintenant. Maintenant, sors, voilà, vraiment, sors, 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 sors de lui. Sors, allez, pars. Pars, on en est choix. Oh, Papa, merci pour sa délivrance. Oh mon roi, Elo, Elo, merci pour sa délivrance. Il est délivré, t'es délivré. T'es délivré maintenant, maintenant. Lâche son corps, lâche son corps, lâche son corps maintenant. Maintenant, voilà, remonte, remonte, sors, sors. Sors de mon frère, sors de lui. Sors de lui, il veut plus toi, il veut plus. Il veut plus, lâche-le, lâche-le. Lâche-le. Lâche-le, 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 lâche-le. Lâche-le. Lâche-le maintenant. Pars de lui. Sors. Oh Seigneur mon roi. Merci Papa pour sa délivrance. Oh Papa, alléluia. On a des choix. Amen. Faut te battre, hein. D'accord. Faut chasser ces pensées impures qui viennent. Voilà. Priez le Seigneur tout le temps. Tout le temps. Ok? Yes. On va baptiser tout à l'heure. Alléluia. Waouh. Quelle question? Non? Pas de question? Pas de question à poser? Donc personne d'autre veut confesser le péché. Personne d'autre. Qui est malade? Il est malade? Ceux qui sont malades, levez la main. Venez, venez les malades. On va prier pour les malades. Qui encore est malade? N'aie pas pour honte, hein. Le Seigneur guérit. Venez, il y a encore des malades dans cette rangée-là. Ouais, dans cette rangée. Faut venir. Oui. Non, on va prier pour la personne de là. Ouais. Personne encore? Dans cette rangée? Dans cette rangée, qui est malade? Vous ne voulez pas être guéri? Ah oui, dans cette rangée-là. Eh oui. Le Seigneur, moi, il m'a guéri, hein. Je sais de quoi je parle. Hein. Qu'est-ce qui va, ça va, ma soeur? Qui va être guéri encore? C'est toi qui vois. C'est pas moi qui guéris, hein. C'est pas ma tête, hein. C'est pas mes mains. C'est lui qui habite en haut, là. Et sa parole dit, vous imposerez les mains malades et les malades seront guéris. C'est ce qu'il a dit. Amen. Amen. C'est quoi, tu vois? J'ai 30 minutes. C'est plus à l'intérieur que je suis malade, je vois, qu'est-ce que c'est. Ah ouais? C'est-à-dire? C'est spirituel. J'arrive pas à croire que le Seigneur m'aime.
D'accord. Mais ma soeur, l'aider parce qu'elle ne veut jamais. Et après, j'ai une petite limite. D'accord. Seigneur, ferme tes yeux. Ferme tes yeux. Ma soeur. Seigneur, je prends ma soeur, papa. Seigneur, qu'elle soit délivrée, papa, libre de tout mal, maintenant. Seigneur, je le déclare sur sa vie. Sa délivrance, papa, sa restauration. Père, qu'elle te vive, papa, qu'elle vive ta présence. Seigneur, que ta paix inonde son cœur, son âme, papa, au nom de Yeshua. Prions tous ensemble pour Yeshua. Seigneur, merci pour ma soeur, papa. Tu l'aimes, papa. Quand ta parole dit, papa, que tu es mort sur la croix pour tout le monde, Seigneur, pour le monde. Seigneur, merci pour sa vie, papa. Alléluia. Seigneur, que toute maladie, papa, soit chassée maintenant. J'ordonne à toute maladie de quitter maintenant son corps, sa vie. Ta parole dit, papa, que nous imposerons les malades seront guéris. Seigneur, nous, je déclare, nous déclarons, papa, sa guérison. Maintenant, maintenant, sa délivrance, sa restauration. La vie de Yeshua. Seigneur, ce mal, je chasse ce mal maintenant. Pardon. Je chasse ce mal. Je chasse ce mal maintenant. Maintenant. Sors, sors. Tu pars. Ce mal-là, ça sort de ta vie. Maintenant. Maintenant. Voilà. Que tout son corps soit guéri, papa. Que son être intérieur soit guéri. Maintenant, papa, en ton nom, Seigneur, repars, papa, fortifié. Et repars, papa, Seigneur, avec ta révélation encore plus forte, papa, dans sa vie. Seigneur, au nom de Yeshua de Nazareth. Alléluia. Amen. Amen, amen. C'est quoi, tu vois ? La pudicité. Et compris aussi parce que j'ai fait une dépression. Waouh. Ça va aller. On prie, hein. Seigneur, merci pour ma soeur, papa. Seigneur, qu'elle soit restaurée, papa. Seigneur. Seigneur, nous sommes dépression, papa, dans les choix de Nazareth, papa. Papa, elle est délivrée. Au nom de Yeshua. Seigneur, qu'elle soit délivrée. Quitte son corps, tu sais. La dépression, là, tu sors de sa vie. Sors de sa vie. Sors de sa vie. Dépêche-toi. Dépêche-toi. Tu la quittes totalement. Tu quittes sa vie. Seigneur. Nous prions, papa, pour sa vie, Seigneur, au nom de Yeshua. Qu'elle soit délivrée, papa, de la publicité, papa. Seigneur, que tout esprit de la publicité, papa, lâche ta vie. Lâche ce corps, lâche sa vie. Sors, allez, sors, sors. Sors d'elle, voilà, tu sors comme ça, tu sors d'elle. Voilà, pars, pars d'elle. Pars d'elle. Elle est délivrée. Elle est délivrée, 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 délivrée. Pars d'elle, allez, pars. Lâche son corps, dépêche-toi. Sors comme ça. Sors d'elle. Voilà, sors, 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 sors. Lâche son corps, dépêche-toi. Lâche sa vie, dépêche-toi. La dépression, on te chasse. Voilà, 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 voilà. Au nom de Yeshua de Nazareth, tu es restauré, ma soeur, restauré. Tu retrouves l'amour du Seigneur, la vie, la paix, la force. Au nom de Yeshua. Oh papa, Seigneur, elle va vivre ta gloire, papa, ta présence, papa. Elle est restaurée, papa. Plus de dépression. Quand ta parole dit, venez à moi, vous qui êtes chargé, fatigué, je vous donnerai du repos. Seigneur, nous prions pour notre soeur, papa. Le repos au nom de Yeshua. Là où son esprit, papa, est attaqué, papa. Oh, délivrance. Délivrance. Voilà. Tu es délivré, tu reçois ta délivrance, ma soeur. Alléluia. Waouh. C'est fort sur sa vie là, c'est terrible ça. Alléluia. On te sent là. Waouh, 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 waouh. C'est puissant. Hein. Alléluia. Le feu dans sa vie là. Ah, c'est le Saint-Esprit, hein, c'est pas moi. Le Saint-Esprit de Yeshua. Voilà. Elle retrouve la restauration. L'équipement, alléluia. Alléluia, ma soeur, alléluia. 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 Je suis un Dieu saint. Alléluia. Le feu, le feu. Mon esprit est ici. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Je suis un Dieu saint. Alléluia, le feu va servir ma soeur. Guerrier. Alléluia. Tu vas marcher comme ça. D'accord, papa, merci pour notre soeur. Le feu, Jojo, c'est terrible sa vie. Il y a un fossé entre vous et moi. Wow. Je hais l'iniquité. Je hais l'iniquité. Délivrance. Abandonnez vos péchés. Repentez-vous. Ici. Après, il sera trop tard. Repentez-vous. Sans repentance, il n'y a pas rémission des péchés. Sans repentance, il n'y a pas rémission de péché. Je reviens chercher mon épouse, une épouse sainte. Je reviens vous chercher. Mon esprit est descendu ici. Mon esprit est descendu parmi vous. Je suis saint, je le répète. Je suis saint, je suis Jésus-Christ, j'ai donné ma vie pour vous, mon sang a coulé sur cette croix pour vous, repentez-vous maintenant. Maintenant. Parce que ma sentence sera dure. Yame bilaye soto kilaye somane. Bi ano soto kane. Yasonaye inanemi kalaye isatole yase. C'est Bibalaye qui n'a meillé. Il y a beaucoup d'esprits impurs ici. Aujourd'hui, c'est le jour de la délivrance. Yane Soto qui n'a meillé. Yabeli Anaye. Yasebi Anolaye qui n'a donc yemi. Levez-vous, vous qui vivez dans l'impudicité, levez-vous, je vous vois, rien n'est caché devant ma face, je vous vois, jour et nuit, je vous vois, je ne sommeille jamais, je ne sommeille. Ya, médicin, tant qu'il a eu son. Qui n'a donné si la yé. Yossi Anna Kelly. Yabébila Anasso. Le Dieu de grâce, c'est moi. Je vous dis qu'aujourd'hui, le Dieu de grâce, c'est moi. Alors repentez-vous. Repentez-vous, mes enfants, repentez-vous. Je vous garantis que vous serez délivrés. Repentez-vous. Je ne suis pas le fils de l'homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour me repentir. Demeurez dans ma parole. Ma parole, c'est une boussole. Ma parole, c'est la lumière. Ma parole, c'est la lumière sur votre sentier. Yane Soto qui l'a yémi. Baby Anaseli qui n'a dolomi anayeki. Dans ma parole, c'est vrai qu'il y a beaucoup de mystères. Il y a beaucoup de choses que vous ne comprenez pas. Mais demeurez dans ma parole. Dans ma parole, il y a la vérité. Cette parole, vous devez la chérir. Vous devez la garder auprès de vos cœurs. Yano soto mi la molo soka ine mi la ye. Bolo bi anaye ki la solo. So bi baleyi ina molo yoke.
Un jour, vous me verrez dans toute ma gloire. Mais préparez-vous, parce que mon retour est proche. Mon retour est proche. Vous n'êtes pas prêts. Beaucoup d'entre vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts parce que vous restez dans vos impudicités. Vous restez dans la fornication. Et je hais le péché. Il y a un fossé entre vous et moi. Il y a un fossé. Je hais le péché. Je suis saint. Il y a non seulement ma nez. Yo baby la ye. Colodolomi anayeki. Colobi anas. Say ni malo yo say ni. So baby la alaye onomi anakei li balo soto yafe. Yo maybe, je suis un Dieu d'amour. Je suis un Dieu de paix. Je suis un Dieu de pardon. Je suis ce Dieu-là qui peut tout. Je suis ce Dieu qui guérit. Je suis ce Dieu qui restaure. Je suis ce Dieu qui délivre. Vous verrez ma puissance. Vous verrez ma puissance. Ma puissance va descendre ici. Ma puissance va descendre ici. Alors repentez-vous. Levez-vous. Repentez-vous. Repentez-vous. Vous êtes là. Je sais que vous êtes là. Repentez-vous ici. Saisissez cette dernière chance que je vous donne. Croyez-moi, c'est la dernière chance que je vous donne. Aujourd'hui, ça suffit. Aujourd'hui, je vous ai dit que ça suffit. Levez-vous et repentez-vous. Repentez-vous, je vous dis que ce Dieu de grâce que je suis, je vais vous pardonner. Mais je vous en supplie, ne partez pas sans repentance. Ne partez pas. Yamebi anaye qui la solo. Beaucoup d'entre vous, vous croyez que je n'existe pas. Mais je suis un esprit. On ne me voit pas. Mais je suis là. Je suis descendu de mon trône par compassion pour vous. Je suis descendu de ce trône. Pour vous, par amour pour vous. Yabé anase olodolomi. Yoseli kinayelo oloya falaye. Je suis ce Dieu puissant. Je suis ce Dieu qui peut tout. J'ai tout accompli à la croix. Tout a été accompli. Pour vous, malgré ça, vous demeurez dans le péché. Vous demeurez alors que vous savez que je suis saint. Vous savez que je suis saint. Yano soyame yafe. Fede bibalo yane inamolo soyokila yeno. Bibalo yoko laye. Bi banei qui na sinta molo yafe qui na deli yamo yane kanabi yano soto qui na polo yano soto qui na mo yo solo. Je passe au milieu de vous. Je passe parce que je connais vos cœurs. C'est moi qui sonde les cœurs et les reins. Je vous connais. C'est moi qui vous ai formé du sein de vos mères. Je vous connais. Je passe. N'ayez pas peur, je passe auprès de chacun et chacune de vous. Je passe. Je libère. Yade mila yokon, yamesi sondolomi. Je suis venu pour libérer les captifs. Je suis venu pour libérer les opprimés. Je suis venu pour libérer les malades. Yade santo, yababi, yasso, les chaînes vont tomber.
Guérison vient par la repentance. Vous voyez? Le Seigneur ne peut pas guérir alors qu'on veut garder le mal en soi. C'est pas possible. C'est qu'on décide de délaisser son péché. Ensuite vient la guérison. C'est pas un jeu de loterie. Non, le Seigneur, il a des principes. Quand on se repent, le Seigneur, il fait grâce. Voyez. Alléluia. Amen, amen. Quand tu te sens depuis là, c'est un armure. C'est vrai. Wow. Attends, c'est quoi comme ça? T'es fait des soeurs? Moi j'ai une thrombocytose et une endométriose. C'est quoi ça? Quand les femmes ont mal au ventre. Ah, ok, vas-y. Ok, ok. Ok, donc on va vous rappeler pour notre soeur. Hein? On va prier pour notre soeur, tous ensemble. Seigneur, merci pour notre soeur, papa. Merci, papa, pour sa délivrance. Seigneur, je crois, papa, que tu la délivres, papa, aujourd'hui de ce mal, papa, qui la ronge. Seigneur, au nom de Yeshua, papa. Seigneur, merci pour sa délivrance. Seigneur, Yeshua, sois guéri, ma soeur. Sois guéri maintenant. Reçois la guérison de ton corps. Au nom puissant de Yeshua de Nazareth. Voilà, tu reçois la guérison. La délivrance aussi. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Papa pour cette guérison. Tu n'as pas changé, Papa. Tu as promis cette réunion ce jour, Seigneur. C'est pour Papa faire ton œuvre, Seigneur, dans nos cœurs, dans nos vies. Et je crois, Papa, que tu délivres notre sœur, Papa, ce soir, aujourd'hui. C'est l'avenir dit, Papa. Parle de son corps. Quitte son corps. Ces maladies-là qui nous rongent sa vie-là. Vous sortez de sa vie, de ces maladies d'origine démoniaque là. Vous libérez sa vie. Au nom de Yeshua de Nazareth.
Ton règne est fini dans son corps. Tout ce mal, ça sort maintenant. Choua. Alléluia. Oh papa. Sois délivré maintenant. Maintenant. Prions ensemble, frères et sœurs. Sors d'elle. Toi qui amènes cette maladie là. Toi qui amènes ce mal là. Sors maintenant. Dépêche-toi. Voilà. Tu libères son âme. Tu libères son corps là. Lâche-la. Lâche-la. Lâche ma sœur. Lâche-la. Alléluia. On reçoit la guérison. Et on reçoit sa guérison. Sa délivrance. Merci Seigneur, Yeshua. Tu n'as pas changé, papa. Alléluia. Voilà. On dit ça. Alors, tu peux encore. Ben, il est complété, en fait, tous les péchés. Amen. Alléluia. De toute façon, je crois en lui. Je sais qu'il est important. Amen. Je sais qu'il m'éprouve parce que, ben, des fois, il est désolé. Marcher pour toi, Seigneur, faire ton travail, faire ton œuvre, Seigneur, mon roi. Accorde la vie, papa, la santé, papa, la force. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, papa, alléluia. Seigneur, sois père fort dans sa vie, papa, fort et puissant dans sa vie, Seigneur. On te le demande, on te prie. Ainsi, papa. Seigneur, merci pour la force, papa, que tu nous donnes la prière, papa, la force, papa. On te craint encore, Seigneur, au nom de Yeshua, papa. Seigneur, merci pour ça. Au nom puissant de Yeshua. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur. Merci pour ces membres. Merci pour ces membres, papa, ces membres. Seigneur, je crois que tu guéris, papa. Que ces membres, papa, soient restaurés, papa, au nom de Yeshua. Alléluia. Amen. Amen. C'est quoi? C'est quelque chose que j'ai respiré, ça fait 2 ans de cela, et on a donné des médicaments. C'est juste ça. Mmh. D'accord. Seigneur, on a eu le choix. T'as respiré quelque chose, c'est ça? T'as respiré quelque chose? Comment? T'as respiré quelque chose, t'as dit? Oui, exact. C'est ça. C'était quoi? C'était dans une maison que j'étais seule. J'avais, ça fait 20 quelques années, j'étais là, donc 48 ans, puis ils ont fait des travaux, et après j'ai respiré quelque chose. Donc dans les travaux? Dans la maison. C'était quoi? Je sais pas. Seigneur, on a mis Yeshua. Sois délivré. Seigneur, que ma soeur soit délivrée, papa. Seigneur, qu'elle soit délivrée, papa. Délivrée. Seigneur, on a mis Yeshua, papa. Au nom de Jésus. Qu'elle soit délivrée, Seigneur, papa. De tout ce qu'elle a pu respirer, papa. Seigneur, on a mis Yeshua. Qu'elle soit guérie. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je sais comment vous avez su. Pourquoi? J'avais respiré. Mais tu sais ce que c'est? Oui, tu l'as dit. Oui, comment tu te sens? Merci. Merci. Moi, je suis la facilité depuis des années. Depuis peu, j'ai un problème en pied. D'accord. Tu m'as réussi. Il est là. Oui. Et pas d'enfant, du coup. Il a annoncé et ça en s'entend. Le Seigneur a dit quoi? Soyez. Il n'a pas dit soyez infertile, hein. Il a dit soyez fécond. Moi je crois que. Tu peux dire. C'est bon. Ça va aller. La foi. Seigneur. Oh papa. Que la fécondité, papa, la fertilité, papa, Père, au nom de Yeshua, soit restaurée dans sa vie. Tu vas. La parole dit d'être fécond, sois fécond au nom de Yeshua, au nom de Yeshua de Nazareth. Seigneur, nous chassons, papa, cette infertilité maintenant. Seigneur, je chasse ce mal maintenant. Lâche sa vie. Toi,
Satan qui empêche de faire tirer. Je te chasse maintenant. Je te chasse maintenant de sa vie. Maintenant. Maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. La vie. La vie, la vie, la vie, la vie. Seigneur, merci papa pour tous ces membres que tu restaures. Oh papa. Seigneur, tu connais sa vie, papa. Seigneur, ta parole n'a pas dit d'être stérile, mais d'être fécond. Voilà pourquoi je déclare sur sa vie la fécondité. Au nom de Yeshua de Nazareth. Aujourd'hui, 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 aujourd'hui. Alléluia, merci pour sa délivrance. Tu reçois ta délivrance, tu reçois ta délivrance. Alléluia, alléluia. Tu reçois ta délivrance, ta délivrance, ta délivrance, ta délivrance. Alléluia. Alléluia. Père, merci pour mon frère, papa. Merci pour sa vie. Seigneur, Père de gloire, tu restaures, papa, sa vie, papa. Tu restaures, papa, ses pensées, papa. Seigneur, mon roi. Merci, Seigneur, mon roi, pour ce couple. Seigneur, nous les bénissons, Seigneur. Seigneur, qu'ils puissent témoigner, papa, ta grandeur. Témoigner, papa. Oh, papa. Oh, papa. Tu fais des miracles, Seigneur. Je crois que ce miracle se produit dans leur vie. Alléluia. Et qu'ils vont, papa, témoigner ta grandeur partout, Seigneur. Seigneur, tu les bénis. Alléluia. Alléluia. Waouh. Comptez de ça. Ça va? Waouh. Ça va aller. On dit bon. Bonjour, parti. Ça va aller. Moi, j'ai trois garçons. Donc, comme j'ai des enfants, faites aussi des enfants dans les choix. Alléluia. Je voulais wow. Surtout dire aux hommes d'accompagner leurs femmes dans ces moments-là. Wow. Parce qu'il ne faut pas croire que. On a toujours tendance à dire, bon, ben on est là, on suit. Non, mais c'est un combat, c'est un couple. Le Seigneur n'a pas dit que la femme est là juste pour les enfants, mais nous, les hommes, on a notre rôle à jouer. Quoi. On n'est pas là quand il y a des visites ou autre chose, parce qu'on est déjà passé par là. La médecine nous a condamnés. Et quand vous arrivez, je parle en tant qu'homme, quand vous arrivez devant un médecin qui est censé vous donner des solutions, qui est censé vous aider, et qu'il vous dit, de toute manière, madame, moi en tant qu'homme, je le vis à ma manière, mais vous avez une femme qui est à côté de vous, qui est censée donner des enfants, qui a toujours voulu ça toute sa vie, et vous vous dites, waouh, comment je fais pour la rassurer, comment je fais pour, il n'y a que le... Et c'est parce que c'est un Dieu de vérité, parce que c'est un Dieu de vérité, quand il déclare quelque chose, et ben, on n'a qu'une seule chose à faire, le prier, le respecter, dans notre, tu le disais tout à l'heure, le respecter au quotidien de notre vie. Tu parlais de péché, chaque fois que vous péchez, vous attristez le Père et vous retardez ce qui doit vous revenir. Et ça, c'est des choses qu'on n'avait pas encore compris. Mais le jour où vous avez compris ça, moi je vis des choses difficiles professionnellement. Et le Seigneur, tous les jours, il me rappelle une chose. Priez pour vos ennemis. C'est dur. C'est dur. Mais il faut le faire. Parce que vous connaissez la fin. On ne vit pas dans ce monde pour être riche ou avoir des maisons ou autre chose. C'est parce qu'on sait que le Seigneur nous réserve une place dans un royaume. C'est juste ça. À partir du moment où on a compris qu'il faut rechercher le Seigneur et essayer de garantir sa place dans le royaume, plus rien sur cette terre n'existe. Donc la seule chose, mes frères et sœurs, je vous le dis, c'est la première fois que je viens ici. Quand on parle de péché, s'il vous plaît, la sœur l'a dit tout à l'heure, repentez-vous. Moi, je ne peux pas venir derrière vous et vous dire, levez-vous, autre chose. C'est vous qui ressentez les choses. Mais s'il y a une chose dont je suis convaincu, c'est qu'à partir du moment où vous videz votre cœur, vous parlez de ce que vous avez, ce qui vous fait mal, ce qui vous bloque, le Seigneur, il vous entend. Et ce n'est pas deux, trois jours après, ce n'est pas après avoir pris des médicaments.
À l'instant, vous êtes libéré. À l'instant, vous êtes guéri. C'est un Dieu vrai. C'est un Dieu vivant. Il existe. Mes frères et sœurs, je le dis tout le temps, à vous de voir. Amen. Attends. Délivrez Seigneur, restaurez Seigneur. Seigneur, nous déclare sur la parole que la puissance de l'Esprit se manifeste à plus dans ce foyer, dans ce couple. Seigneur, nous Yeshua, papa, pour ce mal en fait demeurer, Seigneur. Au nom de Yeshua, au nom de Yeshua, oh papa. Seigneur, je chasse aussi vous par cet esprit, par cette fête de stérilité. Au nom de Yeshua, quitte sa vie. Voilà, tu pars. Voilà, tu sors. Allez, sors. Toi qui l'empêches d'avoir des enfants là, sors. Pars, dépêche-toi. Allez, go. Sors de sa vie. Sors au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Tu sors! Allez, pars! Tu la libères! Tu la libères! Maintenant! C'est ton jour, femme! C'est ton jour de délivrance! Aujourd'hui, tu es délivré! Aujourd'hui, tu es délivré! Il y a un ennemi! Pars! Allez, pars de sa vie! Il y a un ennemi à nos sotocolomies! Le Dieu de délivrance! Voilà, sors. La stérilité va sortir du sort. Tu remontes. Remonte. Lâche-toi. Toutes les chaînes qui t'avaient environné. Remonte. Frère, pas que c'est pas. Femme, c'est ton jour de délivrance. Pardon. Ton jour est arrivé. Pardon, mon, dépêche-toi. Voilà où je suis. Il y a nos sotos. Par. La gueule, sors cet esprit là de stérilité là, ça sort. Esprit impur, tu sors. Pardon. Voilà. Elle va faire des enfants. Esprit impur, tu sors d'elle. Yeshua, ma soeur. Sors d'elle. Ma main est sur elle. Tu sors. Au nom de Yeshua, voilà, t'as des bibliothèques. Il y a nos sotos colonnes, les bibliothèques, il n'a pas la guerre. Le Dieu de délivrance, c'est moi. Mon esprit est là. Sors de sa vie. Tu vas procréer de ma puissance dans ta vie, ça remonte, ça sort. Voilà la puissance de Jésus de Nazareth. Alléluia. Oh Seigneur.
Enfin, le Seigneur est partout, ça. C'est terrible, ça, mes amis. Merci, la c'est terrible, ça. Vous n'avez pas encore compris. Mes amis. C'est sorti du fond du cœur et voilà le résultat. Vous n'avez pas encore compris. Repentez-vous. Repentez-vous. Mes amis. Comment tu te sens là? Attends, c'est quoi là dans ma main? C'est fort, c'est puissant. Il y a un travail d'attente là, mes amis. Ah oui, l'opération du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Waouh. J'ai l'impression d'être légère. Attends. J'ai dit, j'ai l'impression d'être légère. Wow. Je fais confiance au Père. C'est difficile. Merci. Merci. Je encourage tous les groupes qui, comme nous, ont ces difficultés. Ben, le Seigneur est bon. Il faut croire en lui. Amen. Peux-tu nous enverras un mail, Index? Bon. Ouais. Je vais avoir un petit mail, je vais arriver. Avec plaisir. Alléluia. Confesser? Oui, bien. Qui veut confesser? Moi. Oui, il faut confesser. Et j'aimerais confesser l'impudicité, la masturbation, l'amour de la pornographie, le mensonge, les mauvaises pensées, l'idolâtrie et la peur de parler du Seigneur et la honte du Seigneur aussi. D'abord, il faut être délivré, après tu vas parler. Sors de sa vie, tous les démons de pornographie, sors. Sortez. Sortez de sa vie, la pornographie, tout ça, vous sortez. Seigneur, qu'il soit délivré, enfin délivré. Sors de sa vie. Quittez sa vie. Lâche-le, Guadeloupe Martinique. Non, ok. Lâche sa vie. Vous sortez. Sors. Oh Seigneur, mon roi, qu'il soit délivré. J'ai un truc pour lui faire ça. Non, j'ai choix. Je sais pas pour les potards. Moi aussi, j'ai pas fini. Moi, c'est l'hypocrisie avec Dieu. En gros, je sais qu'il veut pas que je fasse un truc. Je sais qu'il veut que je fasse un truc. Mais comme moi, je veux pas, ça me fait pas. Et ben lui, je le fais pas. Et puis, je viens voir. En gros, il y a l'hypocrisie avec lui. Je murmure. J'accuse trop le mal chez les gens. Comme ça, j'accuse pas. Je vais les accuser. Je raisonne. Non. J'aime beaucoup la nourriture aussi, j'aime beaucoup manger. Et en fait, je veux tout dire, voilà. Je veux pas qu'on pour moi, c'est juste parce que voilà, quand il a parlé au travail de la dame, ça m'a. Voilà. C'est que. Voilà, même les pensées, ça continue. Ah, l'incrédulité, voilà, là, j'ai écouté aussi. L'incrédulité. Ouais, j'ai honte. Ouais, des fois, j'ai honte de. Plusieurs fois, j'ai honte de parler de Jésus devant les gens. J'ai honte. J'ai peur du regard des gens aussi, ce qu'ils vont penser de moi, ce qu'ils vont me faire, tout ça. Voilà, et. Pourquoi? Je sais pas en fait, parce que j'ai pas envie de ça après de revenir. Le Seigneur connaît ton cœur. T'inquiète pas, il voit que tu veux confesser, le Seigneur fidèle. C'est bien. Ok. Oui. Ah, on a du choix pour plus. J'ai mal collé ton cœur, c'est J'ai ma collègue qui n'arrête pas de me persécuter, qui m'embête, qui cherche des histoires. Et du coup, je me murmure. Ouais. C'est pas évident. Ça fait longtemps que je travaille avec elle et tout le temps. Ça passe plus, c'est compliqué. Ouais. Le Seigneur fasse grâce. Amen. Un jour, il y a quelqu'un qui avait été ma femme au travail pendant plusieurs temps. Tout le temps, ma femme est rentrée à la maison, elle me disait, ah, la dame, ma collègue. Tout le temps, je plaignais, ma collègue m'embête. J'étais dans le couloir de ma maison. Je dis, Seigneur, je la déplace. On en est chez moi. Quelques jours plus tard, elle est partie. C'est aussi. J'ai pas maudit, hein. J'ai juste déplacé. Parce que là, on a la prière du juste à. C'était trop, en fait, à un moment donné. C'était compliqué. C'est ma femme. J'ai prié. Le Seigneur l'a déplacé. Le Seigneur, s'il voit qu'on ne fait rien, quelqu'un nous embête, le Seigneur peut déplacer quelqu'un, il peut aussi faire ça. Donc, que le Seigneur te fasse grâce. Oui. Voilà, qu'elle rencontre le Seigneur et cette personne, et qu'elle arrête de t'embêter, bon, on a Yeshua. Ouais. C'est pour la guérison. Je souffre d'épisodes récurrents d'alopécie depuis des années. C'est quoi ça? C'est des.
des chutes de cheveux. Ah ouais, ouais. Ouais. Et donc j'aimerais compris pour que je sois délivrée de ce. D'accord. D'accord. C'était cette rangée en plus de pétale, le Seigneur disait. Non, non, non. Les gens viennent au compte-gouttes. En fait, ils sont assis. Mais est-ce que c'est vraiment vrai, Jésus est guéri ou c'est du cinéma, ouais. Ah, mais c'est un jeune quand même. Il a des baskets Nike, peut-être. Frère, c'est terrible hein, la Bible. Hein. Le Seigneur, il a pris David, tout ça, pour pas regarder l'apparence. Hein. Et pour revenir, quand le Seigneur m'a demandé de commencer les programmes en 2019, j'avais mis une veste de costume pour paraître plus monsieur parce que c'était compliqué. Parce que les gens, on sait pas comment, l'apparence, c'est compliqué. Il ne faut pas regarder qu'on est une tête de jeune. C'est le Seigneur, au Père. Et tu veux te délivrer de ça? Ah, ok, ça fait des années. Hein. Ah ouais. Père, merci pour notre soeur, papa. Seigneur, mon roi qui veut te délivrer, papa, de l'alopécie. Seigneur, mon roi, papa, nous prions, prions qu'elle soit délivrée. Père de gloire, que ses cheveux puissent repousser, papa. Je crois, papa, que tu peux, papa, faire ça, papa. Seigneur, au nom de Yeshua de Nazareth, Père, merci pour sa vie. Merci pour la restauration, papa, de ses cheveux. Père, au nom de Yeshua de Nazareth, merci, Seigneur, Yeshua. Seigneur, tu es vivant. Tu nous as créé des cheveux. Voilà pourquoi nous prions, papa, qu'elle ait des cheveux, papa. Que ses cheveux repoussent. Père, dès aujourd'hui, papa, que tout ça repousse, papa, au nom de Yeshua de Nazareth. Merci pour toute ton onction sur sa vie, Seigneur, au nom de Yeshua. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Maintenant, de toi témoigner. Amen. C'est au sujet de... À chaque fois, je prie, je jeûne, et deux fois, trois mois, ça recommence, ou six mois, la personne vient, mais c'est une autre personne. Et je ne comprends pas. Je me dis, le lendemain, je dis, Seigneur, pardonne-moi, parce que il y a quelqu'un qui est venu coucher avec moi. Pourtant, c'est venu mon mari, c'est ni. Je ne le connais pas. Et je ne comprends pas. Pourtant, j'ai prié, j'ai gêné. Et comment ça fait-il? Et deux fois, le Seigneur me montre le visage. Et six mois après, ça recommence. Et je comprends pas. Par contre, au travail, j'ai mon chef et puis d'autres personnes, une autre personne. Les deux m'aiment bien, ils veulent me marier, mais je veux pas. Je veux pas marier, moi, c'est le Seigneur qui est le plus important et je veux pas. C'est lui qui doit choisir pour moi, je dois pas dire c'est telle personne qui doit marier. Et à chaque fois, des mots d'impudicité qu'il parle toujours dans mes oreilles. Je veux me sanctifier, j'arrive pas. Ça sent vrai, ça? Oui, je veux. Je dis, mais je comprends pas. Je veux me sanctifier de tout, de tout ce qu'ils doivent dire, mais ce qu'ils doivent, ils disent, c'est une publicité chaque fois. Des mots que je ne peux pas entendre. Et tu dis quoi, toi? Oh, mais je suis fatiguée. Je dis, Seigneur, je suis fatiguée. Tu dis quoi, lui? Je lui dis, non, je ne veux pas. Et ce que tu dis, Seigneur, je refuse tout ce qu'il vient de me dire, je ne veux pas entendre. Je refuse. Même pour tes plaintes, hein, c'est ton chef? C'est mon chef et puis un autre. Mais chaque fois, ça me prend la tête à chaque fois. Je suis fatiguée. Ok, lève tes mains. Lâche ce corps. Quitte ce corps. Quitte ce corps. Quitte ce corps, non, Yeshua. Quitte ce corps. Quitte ce corps. Tu sors de ce corps maintenant. Maintenant. Lâche son corps. Voilà, sors, sors. Sors, toi là qui viens. La nuit là, tu sors. Sors, pas. Pas. Dépêche-toi. Dépêche-toi. Voilà. Lâche-la. Lâche-la. Au nom de Yeshua, lâche-la. Marie de nuit, lâche-la. 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 Dépêche-toi. Dépêche-toi. Tu sors. Sors. Lâche-la. Dépêche-toi. Sors d'elle. Seigneur, merci pour sa vie. Quitte ce corps. Et Laura, tu ne vas plus venir la nuit l'embêter là. Sors, tu la lâches. Au nom de Yeshua.
Sors. 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 Dépêche-toi. 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 Voilà, tu lâches sa vie. Voilà, ça sort comme ça. Voilà. Dépêche-toi. 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 Alléluia. Amen. C'est compliqué ça. Quitte, 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 dépêche-toi. La porte de vin, tu sors, tu sors, tu sors. Tu sors, tu sors, tu sors. Comment ça s'appelle? Je reviens pour toi. C'est lui qui m'a mis vers toi pour te dire, viens. C'est le Seigneur, le Tout-Puissant. Il t'a créé, il t'aime. Et là, il te fait du bien, il te restaure. Tu es précieuse à ses yeux. Ah oui, tu n'es pas n'importe qui, Maël. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Hein. Wow, c'est ta soeur. Hein. Non, ma cousine. Ah, cousine, ma cousine, tu vas dire. Waouh. T'as quel âge? Ouais, t'as quel âge? T'es précieuse, ouais, elle veut pas que les gens du monde, là, des fois, ils peuvent te blesser, tout ça, mais le Seigneur, lui, il est celui qui guérit. Waouh! Alléluia, mais elle est en paix. Salut! Ouais. Elle part avec la. Jésus, c'est terrible, hein? Alléluia! Moi aussi. Eh, mais on va finir à quel âge? Bon, venez d'un coup, hein? Justement, à ce propos, je veux me repentir pour le manque de prise de position pour la vérité. La peur de prendre position pour la vérité, comme effectivement Antoine, c'est le même combat. C'est beaucoup de raisonnements qui peuvent retarder les décisions. Et aussi les attaques de femmes de nuit. Femmes de nuit, alors que je fais tout pour prendre autorité pour m'arrêter, mais qui viennent parler. Et les pensées impures qui, malgré elles, malgré le fait de me rejeter, qui attaquent comme ça. Donc voilà. Les pensées impures, c'est normal. Hein. Ça revient pour tout le monde. Mais les garder, c'est autre chose. On va prier pour toi. Pour la parole du Seigneur et pour aussi, je ne dis pas que c'est ce que tu fais, attention, mais dans la journée, dans la vie de tous les jours, ce qu'on regarde, ce qu'on garde dans notre cœur, tout ça, on prend plaisir, et ben c'est la nuit que ça vient nous attaquer après. Toutes ces choses-là. C'est pour ça que la Bible nous dit de prendre le cas du salut, l'épée. Bon, c'est le Seigneur, hein, faut bien comprendre, le cas du salut. Et en fait, voilà, il faut rester dans la présence du Seigneur, en fait. Parce qu'on sera tenté, tout à l'heure, on disait dans la prédication, qu'on est tenté. Maintenant, il faut résister, se battre tout le temps et tu vois, tu dormiras en paix. Tu vois? On va prier pour toi. Ils arrivent souvent? Ouais. Souvent? T'es pas comme rien? Non. Ah, allez, allez. Au nom de Yeshua Nazareth, toutes ces femmes de lui qui attaquent, c'est Yeshua. On se réjouit, nous sa vie.
On brise vos plans dans sa vie, là, c'est fini. Tous les femmes le mettent, le souillent, la confessé. Donc maintenant, vous le lâchez totalement, Richard. Vous lâchez sa vie. Vous lâchez sa vie totalement. Totalement. Toutes les femmes de nuit, là, qui viennent le souiller, là, il ne veut plus ça. Il ne veut plus. Donc vous n'avez plus aucun pouvoir dans sa vie, au nom de Yeshua. Seigneur, nous chassons papa ce mal. Père, on chasse papa ce mal au nom puissant de Yeshua. Seigneur, mon roi, toutes ces femmes de nuit, là, papa, qui viennent le souiller, papa, il veut plus ça. Père, nous brise, on brise, papa, on brise ça. On brise, papa, au Père de gloire. Toutes ces attaques de femmes de nuit, papa. Seigneur, tout démon dans sa vie, là, vous le quittez maintenant, vous le quittez. Quittez-le totalement. Lâchez-le totalement. Lâche sa vie. Lâchez sa vie. Seigneur mon roi. On prie, papa, qu'il soit ce guerrier, papa. Demeurez ferme, papa. Qui prend position pour la vérité, papa. Qu'il soit totalement, papa, au Père, dans ta présence, Seigneur mon roi. Père de gloire, afin qu'il puisse encore, papa, se battre, Seigneur mon roi, dans la vérité. Seigneur, il échoue. Seigneur, il ne veut plus, papa, d'être souillé le soir, papa, par ses femmes, ses démons, Seigneur. Seigneur, il prend position contre cela, papa, il ne veut plus, papa, il a confessé. Je crois que tu le délivres, papa, au Père, au nom de Yeshua de Nazareth. Alléluia. Au nom de Jésus. La haine de ses œuvres, la haine. Père de gloire, qu'il est la haine de ses œuvres, de ses femmes de nuit, papa, au nom de Yeshua, papa. Alléluia. Amen. Amen, mon frère. C'est ça. Allez. Amen, amen. Yes. Yes. Ouais. Bah moi c'est juste un truc, hein. C'est juste les murs longs. C'est bon. Moi c'était le mensonge, j'ai une hypocrisie, j'ai mauvaise pensée. D'accord, t'es le plus grand frère, tu le vois pas. Ouais, plus mentir. Ouais, okay. Plus mentir, tout ça. Et... En fait le mensonge là ça va. En vrai, ça nous sauve. En fait on s'enfonce. La vérité nous libère en fait. Et en fait, souvent dans le monde, les chrétiens vont mentir pour échapper à quelque chose. En fait, on n'échappe à rien. En fait, on s'enfonce. Tu vois, on se sent coupable en fait après. Tu vois. Et dire la vérité, en fait, tu vas apparaître pour celui qui est bizarre ou quoi. Mais en tout cas, tu seras bien vu du Seigneur. Tu vois. Le mensonge, là, c'est un péché. Ça, c'est un péché compliqué, ça. C'est la Bible dit que le père du mensonge, c'est le diable. Donc à chaque fois qu'un chrétien ment, il fait un bisou au diable. Il fait un bisou. C'est comme si tu fais un bisou tout le temps. Tu mens. Et le diable, il dort dans ton lien avec toi. Ah, c'est chaud. Donc tu veux pas qu'il dort le diable. Tu veux pas. Donc il faut laisser Jésus avec nous. Et pour que Jésus soit avec nous dans notre lit tous les jours, avec nous partout, notre maison, c'est la vérité. Que tu n'aies rien à te reprocher. Ah, j'ai menti. Tout ça. Il faut... Non, non, non. Il faut rester dans la vérité. Coûte que coûte, en fait. Même si ça déplaît aux gens, reste dans la vérité. Tu seras mal vu, par contre. Alors là, tu seras mal vu. On sera mal vu. Parce que le monde n'aime pas la vérité. Tu vois. Mais le Seigneur va te bénir en fait. Et tu seras sauvé, on sera sauvé. Tu vois. Même si on pense que si on dit la vérité, ça va nous coûter cher, frère. Ça va pas coûter. Ça va coûter la vie éternelle. Tu vois. Donc ça c'est un péché qu'on doit haïr, ça le mensonge. Tous les péchés, mais le mensonge c'est compliqué, ça, c'est terrible ça. Ça c'est un péché compliqué, le mensonge. Et ça, c'est. On peut perdre confiance en toi. En fait, les gens pourront perdre confiance en toi. Le fait qu'ils voient tes mensonges, ça c'est compliqué. Tu vois. Et si t'es pas encore marié? Non. Surtout t'es pas encore marié, il faut déjà être dans la. Faut marcher dans la vérité. Pour que ta femme ait confiance en toi. Parce que si elle voit tes mensonges, tout ça, elle n'a pas de confiance. Ça va loin. Hein. Le mensonge là, ça fait des dégâts. Ah oui. Ça fait des dégâts, mais on s'en même pas compte. Surtout quand les gens voient ton mensonge. Alors là, c'est terrible. En fait, ils vont jouer l'hypocrite. En fait, ils vont dire que t'es un hypocrite. Parce que mentir, c'est être hypocrite, en fait, aussi. C'est jouer des rôles. Donc le mensonge, là, faut se battre contre ça. Là. Il faut refuser ça totalement. Donc, c'est important, les frères et sœurs. Hein. C'est la parole qui le dit. Hein. Chacun voit ce qu'il veut. Il est au ciel ou pas. Alléluia. Donc ça va aller, hein, t'inquiète pas. Maintenant, t'as confessé devant tout le monde, la lumière. Maintenant, vérité. Ça va aller, je vous dis la vérité. J'ai une sensation d'étouffement, je suis pas venu avec, mais c'est à moi. J'ai une sensation d'étouffement. Lève tes mains, Yeshua. Quitte-la, Yeshua. Seigneur, que cet étouffement, papa, la lâche, Yeshua. Sois délivré. Au nom de Yeshua, sois délivré. Père, merci pour ta vie en elle.
soit délivré au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Ça va aller, ma soeur. Ça va aller. Merci pour Cathy, papa. Et merci pour la vie de Cathy, Seigneur Yeshua. Papa, fortifie notre soeur, papa. Fortifie sa vie. Père, qu'elle puisse marcher encore, papa, dans tes voies. Seigneur, mon roi. Père, donne-nous encore la vision, Seigneur, cette vision, papa, qu'elle voit clair, papa, les choses. Père, au nom de Yeshua, papa, qu'elle puisse, papa, prendre une bonne décision, Seigneur, faire le bon choix. Père, nous voir dans les choses, nous allons, papa. Merci pour sa vie. Dans tes mains, Seigneur, dans tes bras d'amour, papa. Merci pour Cathy, Seigneur. Merci pour Cathy, papa, merci pour ta gloire sur sa vie. Alléluia, merci pour Cathy, papa, sois fort en Yeshua. Oh, Seigneur, merci. Alléluia. Wow. Alléluia, frère et soeur. On va finir par là. Hein? Allez, déjà 5h30 presque. Ah ouais. On va finir par là. En tout cas, je suis encouragé. Un peu fatigué là. Encouragé. Vraiment. Tout le monde t'a donné ta vie au 5h déjà. Ça fait longtemps. 2 ans. D'accord. Quand tu l'aimes beaucoup. Pas encore assez. Pas encore plus pour lui. Alléluia. Ça va aller. Il est vivant. Amen, frères et sœurs. On va finir par là. En tout cas, à une prochaine fois. À une prochaine fois. En tout cas, gardons notre délivrance. Gardons. Ça va, toi? Ça va? Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse pour toi? Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse pour toi? Touche les membres de ma famille. Amen. Amen. Alléluia. Qu'ils soient ainsi alors, dans les jours. Ouais. Il y a un panier là, si vous voulez participer à la mission, tout ça. Allez devant le panier. Léo, allez par terre là-bas. Un petit panier si vous voulez participer à la mission. Au paiement de la salle, tout ça. Il y a un panier devant. Sentez-vous libre. Et donc voilà, frères et sœurs. Ça va, non? Oui. Ça va? Oui, excuse-moi. Bonsoir. Je voudrais savoir si on peut prier pour mon fils qui est en psychiatrie actuellement. Ah ouais. Des jours, ok. Comment il s'appelle? Roba. On va prier pour Roba, qui est en psychiatrie depuis quelques jours. Seigneur, on prie, papa, pour Roba, papa. Seigneur, que sa vie, papa, soit délivrée, Seigneur, là où il est. Seigneur, parce que ces hommes, papa, ne te connaissent pas. Seigneur, mon roi, alors que ce sont les démons, papa, qui sont derrière ces choses. Voilà pourquoi, papa, nous prions, papa, pour Oba, qu'il soit délivré, Seigneur, papa, restauré, Seigneur. Papa, qu'il ait ton image, papa, qu'il reflète ta gloire, papa, dans cette psychiatrie, Seigneur, mon roi. Et qu'il dise qu'il n'a rien à faire là-bas, Seigneur, mon roi, Père, au nom de Yeshua. Là où il est, papa, je prie, papa, nous prions, Seigneur, que tu puisses, papa, au Père, te envoyer ta gloire, papa, te faire descendre ta gloire, Seigneur. Sur Oba, Seigneur, au nom de Yeshua, au nom de Jésus. Seigneur, là où il est, qu'il reçoive sa délivrance, qu'il soit délivré là où il est, papa. Au nom de Yeshua, là où il est, que sa délivrance, papa, s'opère, papa, au nom de Yeshua. Là où il est, papa, au nom de Yeshua, papa, alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, ma soeur. Courage, courage. Courage, ma soeur, courage, courage. C'est pas évident. Il y a quel âge? 20 ans. 20 ans. Tu es des îles aussi, toi? Tu es des îles aussi? Quoi? Martinique, courage, ma soeur. Waouh, c'est pas évident. Ça nous fait du bien aujourd'hui, là. Ouais. Confesser. J'aime confesser la distraction et la fatigue, en fait, au niveau de la marche. Je sens que je ne suis plus comme avant. On peut prier pour notre soeur? Père, merci Seigneur pour notre soeur Jocelyne, papa. Merci papa pour sa restauration. Restauré. Père de gloire. Seigneur, tu es celui qui donne la force, papa. Qui donne papa le souffle. Père de gloire, quel est le souffle, papa? Ton souffle, Seigneur mon roi. Père, là où la fatigue voulait venir, papa. Que cette fatigue, papa, soit détruite, Seigneur mon roi. Afin, papa, qu'elle puisse marcher encore, Seigneur. Au nom de Jésus, papa, merci pour notre soeur. Merci, papa, de l'enflammer encore, papa. Père, que l'amour du début, papa, soit restauré, papa. Ce zèle du début, papa, soit restauré.
Seigneur, nous prions, papa, pour chacun ici présent, papa. Nous prions, papa, pour nous-mêmes, Seigneur mon roi. Nous prions, papa, que nous puissions réussir. Marcher encore, Seigneur mon roi. Marcher avec la force, papa. Marcher avec le feu, papa. Marcher, papa, Père, dans la vérité, papa. Seigneur, là où il y avait la fatigue, Seigneur mon roi, qui est la vie, papa. Oh, la vie, la vie. Que l'église, papa, soit debout, Seigneur, dans ta gloire. Au nom de Yeshua, papa, on le déclare, Seigneur, que la prière soit restaurée. Que ton feu, papa, soit restauré, papa, Père de gloire. Merci pour l'amour, papa, qui soit restauré, papa. Au nom de Yeshua, on le déclare, Seigneur. Merci pour les guérisons, papa. Merci, papa, pour ta gloire. Que tu réponds, papa, ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Yeshua, papa. Merci, Père, pour la flamme, papa, ta flamme. Ta flamme de feu. Que tu réponds, papa, aujourd'hui, papa. Ta flamme, papa, que tu réponds. Oh, aujourd'hui, papa, le feu, papa, que tu... Tu répands ce feu, tu répands ce feu, tu répands ta gloire, tu répands ta puissance, papa, en ce lieu, papa, au nom de Yeshua, papa. Oh Seigneur, on prie, papa, que tout démon, papa, soit chassé, que le démon, papa, soit chassé, papa, au nom de Yeshua, que la lourdeur soit brisée, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. 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 On a un choix. Pas. Allez, pas. Pas. On a un choix. Oh, qu'elle soit délivrée. Délivrée. Totalement. Alléluia. Allez, Seigneur, merci pour votre grâce. Alléluia. Le Seigneur fait du bien ici, là. Terrible, ça. Il guérit les cœurs, là. Alléluia. Il guérit son cœur aussi. Alléluia. C'est magnifique, ça. Alléluia. Merci Seigneur mon roi pour le zèle. Alléluia. Le feu. Kaita Mashika. Pense à ta délivrance. Ta délivrance, ta restauration. Tu vas repartir debout aujourd'hui, debout. Dans le feu de Yeshua. Feu de Yeshua. Ta gloire, alléluia. Alléluia. Sheka. Bukaya Mashika. Alléluia. Là, le Seigneur fait du bien à la soeur là. Alléluia. Waouh. Mes amis, il y a le feu là, je vous dis, c'est terrible. Il y a la gloire du Seigneur en ce lieu, mes amis. Ah oui, tu vas marcher dans le feu. Tu vas marcher dans la... Alléluia. Alléluia. Il restaure. Alléluia. On repart debout. On repart debout. On a le choix. Au nom de Yeshua, au nom de Yeshua. Merci pour le feu, papa. Merci, oh, tu nous enflammes. Tu nous enflammes. Tu enflammes, mon frère, papa. Tu l'enflammes. Alléluia. Merci, papa, pour cet homme. Oh, Yeshua, papa. Merci pour ta gloire sur sa vie. Oh, Seigneur, mon roi. Ta parole dans sa vie, papa, au nom de Yeshua. Alléluia. Alléluia. Waouh. Les œuvres de la sorcellerie sont brisées au nom de Yeshua de Nazareth. Alléluia. La vie, l'autorité du Seigneur. L'autorité de Yeshua. Alléluia, Seigneur. Wow, vous repartez, on repart en feu là. Ah oui. Waouh. Le zèle est restauré, le zèle. Alléluia, Seigneur, merci. Waouh. Alléluia. Le Seigneur restaure, vous a restauré là. Waouh. Jésus de Nazareth. En tout cas, frères et sœurs, soyons bénis. Le Seigneur nous aime, il nous fait du bien à tous. Waouh, je suis dans la foi pour vous là, c'est fort ça. Waouh. Et personne, on n'a jamais prié pour toi pour ça? Si, c'est déjà.
Créole de sortir. Ah. Mais c'est bien. Ouais, ouais, ouais. Notre langue est différente. Oui. Non, mais c'est. Les seigneurs, oui. En français, ouais, c'est différent. En créole, c'est. Voilà. Le créole, c'est chaud, le créole. C'est compliqué. Voilà. Alléluia. C'est difficile, mais c'est le Seigneur qui décide. Oui, c'est le Seigneur. En tout cas, je suis. Ouais, c'est beau en tout cas, dans cette délivrance. C'est glorieux, quoi. En tout cas, maintenant, c'est la foi. Voilà. Alléluia. Voilà, frère et soeur, priez par là. En tout cas, priez pour nous, hein. Priez pour moi, priez pour nous. On a besoin de vos prières aussi. On est des humains et. Après, à la prochaine, hein. On va faire un programme que le Seigneur dira et on va encore le louer, l'adorer ensemble. Alléluia. Voilà, c'est pas comme Yeshua quand même. Amen. Qui cherche du travail? Qui cherche du travail? Qui cherche du travail, tu vas trouver, vous allez trouver. Vous allez trouver dans Yeshua. Ok? Alléluia. Partez avec la bénédiction du Seigneur. Yes.